Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro des Incorrectibles. Alors une fois n'est pas coutume, eh bien j'ai le privilège de recevoir un invité que j'ai déjà reçu. Ici, hein, la star d'André Bercoff, on est ravi de le recevoir à nouveau. C'est quelqu'un de bien connu de nos spectateurs puisqu'il est avocat. Mais avant cela, je tenais vraiment à vous remercier, vous qui êtes toujours plus nombreux sur notre chaîne Les Incorrectibles sur YouTube, mais aussi... Eh bien, sur notre chaîne, les Incorrectibles plus sur Utrion, et c'est grâce à vous, en effet, nos abonnés Utréon, nos contributeurs, que nous pouvons vous proposer chaque semaine, eh bien, ces nouvelles émissions. Cet invité, eh bien, vous l'aurez peut-être reconnu, il s'agit de Juan Branco. Bonsoir, maître. Bonsoir. Ravi de vous recevoir à nouveau. Alors, je vous propose de revenir d'abord sur votre actualité d'avocat, ce qui va nous permettre d'aborder un certain nombre d'affaires et de sujets de société. Mais avant cela, la première affaire que j'aimerais aborder avec vous, eh bien. Elle nous concerne un petit peu, tous les deux, puisqu'elle concerne une plainte pour diffamation de Martin Hirsch en raison de propos que vous aviez tenus dans cette émission. Alors j'aimerais publiquement qu'on aborde cette affaire et que vous nous expliquiez un peu où on en est d'abord de cette affaire. Martin Hirsch, au passage, bénéficie de ce qu'on appelle la protection fonctionnelle. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est, en quoi cela consiste Allô, On prend qu'on commence par les éminences de notre de notre civilisation, Martin Hirsch était le directeur de la PHP parce que je pense sincèrement que les gens l'ont oublié et a raison, c'est celui qui a euh, détruit le RMI et l'a remplacé par le, le RSA en mettant en une situation de grande souffrance des millions de Français, euh, en rendant plus compliqué l'accès au droit à un moment de crise économique majeure. Euh, Quelqu'un qui a fait toute sa carrière au, au, au crochet de l'État et qui s'est construit avec l'aide d'un certain nombre de réseaux dans l'espace médiatique. Une image de, sinon de saint, du moins de, de personnes désintéressées, alors qu'il a cumulé littéralement des millions d'euros de salaire au cours de sa carrière ah, ce grâce, vrai, à, vrai. grâce à, grâce à l'État. J'ai fait le calcul justement du fait de cette procédure. On est autour de 4 millions d'euros payés par les contribuables. Et c'est cette même personne qui, pendant la crise du Covid, avait dit que pour faire des économies, il vaudrait peut-être mieux réfléchir au fait de ne plus soigner, de ne plus prendre en charge, pour être précis, les personnes qui euh, ne s'étaient pas faites euh, vacciner. Pour bien comprendre, pardon, on va il aurait bénéficié de... Enfin, il aurait eu 4 millions Oui, oui, en cumulé, c'est euh, ce que l'État, c'est-à-dire nous, euh, lui avons versé. Tout cela pour qu'il finisse par euh, indiquer que pour faire des économies, euh, l'État devrait réfléchir à ne plus prendre en charge euh, les patients qui n'étaient pas vaccinés pendant, pendant la crise de, du Covid. C'est aussi quelqu'un qui a été en fait... Euh, moi, je les appelle sans que ce soit dénigrant les chiens de garde, c'est-à-dire vraiment une personne qui, pour arriver euh, au plus haut poste euh, de la République, l'a fait non pas grâce à un talent, mais grâce à l'entrejon donc sa capacité à se compromettre avec des politiciens euh, qui, en échange, lui faisaient avaler toutes les couleuvres et, euh, et adopter les réformes qu'il souhaitait pour faire des économies, c'est-à-dire en fait accroître le pool de ressources disponibles pour le redistribuer dans, dans le petit Paris. Donc, euh, Quelqu'un qui, grâce au, à, ses, à son entre-genre, grâce à ses réseaux, notamment médiatiques, a réussi à se faire passer pour une sorte de, de, de grand bienfaiteur, parce qu'il a réussi à, à se présenter en successeur de l'abbé Pierre. On sait que ça s'est très mal passé, en fait, à, à la fondation Abbé Pierre, que euh, son départ pour le gouvernement Sarkozy, alors qu'il se disait socialiste, a été très mal vécu. Et c'est un peu le modèle de Kouchner, vous savez, euh, cet ancien ministre socialiste euh, qui est devenu sarkozyste et qui euh, prenait ses sacs de riz euh, euh, sur des plages euh, et qui a instrumentalisé les. La souffrance euh, de jeunes enfants euh, africains pour, euh, pour se faire valoir et devenir une icône euh, en France. D'ailleurs, il a travaillé dans le cabinet Kouchner avec des éminences comme, euh, comme Aquilino Morel. Puis après, il est rentré dans les réseaux, les proximités. En fait, c'est des gens comme Jérôme euh, comme Cahuzac, euh, dont la directrice de cabinet, Jérôme Cahuzac, vous vous souvenez, le compte en banque euh, en Suisse alors qu'il était ministre du Budget, sa directrice de cabinet est celle qui a succédé à. à à Martin Hirsch à l'ARS, qui lui a attribué la protection fonctionnelle. C'est-à-dire qu'on voilà, finance, finance les procédures que Martin Hirsch lance. Voilà, puisqu'on a une particularité, c'est qu'on a été attaqué euh, donc, solidairement en référé en première instance. On a euh, gagné, enfin, c'est-à-dire qu'il a été débouté. Il a fait appel de ce référé. On a à nouveau gagné en référé. Puis moi, j'étais surpris, euh, après euh, la première décision de référé, euh, bah, écoutez, de recevoir un, un chèque au titre de l'article 700, c'est-à-dire qu'il rembourse nos procédures de défense. Euh, de la PHP, puisqu'il était à l'époque, il ne l'est plus directeur général de la PHP, et c'est-à-dire que ce n'est pas lui qui paye, euh, dites-moi si je me trompe. Alors, fait, alors, alors, euh, qu a été, euh, alors que la, la, la Cour a, a décidé justement que sa procédure n'était pas justifiée. Donc euh, il fait payer les contribuables des procédures qui ont pour but d'intimider. Après, franchement, je pense qu'il vaut mieux que, que cet argent vous revienne plutôt qu'en salaire et autres primes à, à Monsieur Hirsch, qui gagnait euh, 200 000 euros par an en moyenne. Euh, lorsqu'il était euh, directeur de la PHP, lors desquels il a évidemment euh, supprimé un nombre de postes importants, refusé des revalorisations, ce qui a amené notamment au départ de nombreuses infirmières et, et, euh, et de médecins, ce qui a amené à la crise que l'on sait. Et donc on se retrouve dans une situation où... Non, on euh, met les choses dans leur contexte, enfin, c'était 2000 euros, donc c'était pas... Oui, vous n'avez pas, pas connu de par contre, euh, ses frais d'avocat à lui ont été pris en charge par l'État, du fait d'une décision qui était prise par... C'est-à-dire un peu par nous. Voilà, par la directrice de cabinet de Jérôme Cahuzac, à l'époque où celui-ci était ministre de budget, qui entre-temps a réussi à continuer à faire carrière, parce que c'est pas très grave finalement d'avoir été aux côtés d'un de, euh, des ministres qui a fait le plus scandale de la Ve République. Euh, lorsque l'on appartient au grand corps, on peut continuer sa carrière sans, sans difficulté. Et qui avait sauvé d'ailleurs cette femme euh, au moment où évidemment plus personne ne voulait l'approcher, où elle faisait l'objet euh, d'auditions au sein de la commission d'enquête euh, du Sénat qui visait à comprendre bah, ce qui s'était passé pendant cette affaire, c'était Hirsch qui l'avait euh, nommée euh, à un poste pour euh, un peu l'exfiltrer, et c'est celle-ci qui maintenant prenant sa suite au sein de, 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 de lui a accordé donc. de l'ARS, voilà, lui, euh, lui, a, lui a accordé cette cette protection euh, fonctionnelle. Et donc on est sur des jeux comme ça, voyez, où, euh, où l'impunité se construit, se prolonge et euh, et quelles que soient les décisions de justice, finalement, ça me fait penser parce que j'ai plaidé au... pour parler de choses peut-être un peu plus. Euh, un peu bon, on plus va choses là. parce que parce que ces individus vraiment sont sont assez médiocres et la seule chose qu'ils arrivent à faire en fait c'est c'est en, entraver rendre difficile la vie des personnes qui en explosent la liberté d'expression tête. Oui mais parce que ça dit quoi le... la liberté d'expression Qu'est-ce qu que c'est finalement mmh. On peut dire tout et n'importe quoi à travers la liberté d'expression. Moi je préfère euh, euh, l'expression droit d'informer déjà d'une part et d'autre part aussi la euh, on est dans un rapport de force. On est face à des individus qui sont protégés par des structures étatiques très puissantes, qui euh, ont pris toutes les décisions qui nous ont amenés à l'abîme actuel, qui ont amené des gens, qui amènent des gens aujourd'hui encore à mourir dans les morgues parce qu'ils ne peuvent pas être soignés. Euh, et et c'est ça qu en fait, qui touche, je pense, aujourd'hui, euh, votre audience. C'est qu'on connaît tous aujourd'hui un ami, un cousin, un frère, une tante qui s'est retrouvé à attendre 15 heures aux urgences euh, alors qu'il était dans une situation difficile ou que sa fille ou son enfant. Et qui, qui n'est pas accueilli parce que, en fait, ces gens, pendant des années, on peut prendre des décisions en toute impunité et qui continuent à utiliser les moyens de l'État pour s'assurer que cette impunité demeure. J'ai plaidé au Conseil constitutionnel euh, il, y a, il y a quelques semaines. J'ai eu ce privilège, si on peut, Alors, si on peut, si on peut le dire ainsi. C'est-à-dire, euh, vous avez plaidé devant Devant euh, Laurent Fabius, Alain <laughs> Juppé, et ainsi de suite. Très euh, euh, Ça, non. Euh, Timidant. Enfin, je parle plutôt du conseil constitutionnel. <laughs> je suis, vous savez, je suis assez habitué au, aux ordres de la République. J'ai été employé par, par la République au Quai d'Orsay quand j'étais très jeune, déjà dès l'âge de 22-23 ans. J'ai été euh, élevé, en fait, euh, dans ces espaces. Et, euh, et donc, j'ai perdu cette donc forme ça de Ça ne timidité, nous pas Ça ne m'impressionne pas. Et, et j'ai plutôt du dégoût à, à ceux qui ne se montent pas à la hauteur, envers ceux qui ne se montent pas à la hauteur de, de ces lieux qui sont en effet... Vous sentez un Je pense que quand je me retrouve devant ces gens-là... Euh, après les souffrances qu'ont connues euh, les Français pendant cette période, dont une partie est attribuable euh, à ces institutions, c'est en effet important de se montrer à la hauteur et de porter une parole qui, euh, qui résonne. Et en l'occurrence, c'était au sujet des législatives dont on avait demandé euh, euh, des annulations sur le fondement de l'abstention. Vous voyez, lorsque l'on arrive à des taux d'abstention qui atteignent dans certaines circonscriptions 85%. C'est-à-dire qu'en fait, euh, les députés sont élus grâce à 3 ou 4% du corps Donc, Vous avez souhaité faire annuler les élections législatives. Ouais. Le, notre avantage, c'est, ayant grandi dans cet espace-là, ayant été formés dans, dans leurs écoles, Sciences Po, Normales et compagnie, d'un côté, ils ont du mal à, à appliquer des stigmates sur moi. Ce qui explique euh, la tentative de me rendre monstrueux. C'est-à-dire que, puisqu'ils ne peuvent pas me regarder de haut parce qu'ils auraient fait de plus grandes écoles comme moi, ou ainsi de suite, ils sont obligés de passer par le biais. Mais quand même, ils sont obligés aussi... Euh, de traiter avec un minimum de respect et de déférence ma parole, ce qui n'est pas le cas du reste des Français, ce qui est profondément injuste et, et insupportable. Et du coup, moi, j'essaie d'utiliser ce privilège pour rendre la parole à ceux qui n'ont pas eu cette chance, ce bénéfice, oui, mais ce avec, privilège, pardon, la menace d'accepter la me démission, à à d'être attaqué pour En permanence, ça, mais mais bien vous sûr, avez d'autres et, et bien d'autres choses. Euh, en permanence, bah, vraiment, en quotidien, pas... très peu en termes de différenciation, c'est parce que c'est des erreurs, parce que je sais ce que je dis, c'est fondé, c'est formé, je connais le droit, et ils perdent ils perdent quand ils m'attaquent. Je vais avoir le seul procès que j'ai à part celui-là sur ce domaine, c'est Bouygues qui m'attaque devant le tribunal judiciaire de Paris pour avoir révélé comment en fait la construction de ce nouveau bâtiment, parce que le tribunal à Paris n'est plus au centre de Paris. c'est dans ce palais extraordinaire qui, a, qui accueillait. La justice française depuis dix siècles. Sur euh, l'île de, la... de la Cité, avec la Sainte-Chapelle, avec une sorte de, de merveille architecturale qui. Il y a toujours la Cour d'appel, a... Il y a la Cour d'appel et la Cour de cassation, mais il n'y a plus euh, les tribunaux de première instance, le, le tribunal judiciaire, qui a été migré, envoyé euh, au Batignolles, euh, dans un bâtiment complètement désincarné, qui a une sorte de mélange de d'hypermarché et d'aéroport, avec. Euh, euh, c'est intéressant ils ont créé tu des un beau bâtiment moderne là si je me faire un peu l'avocat du oh, ça pourrait être un bâtiment de bureau euh, complètement anodin, il n'y a aucun symbole mais volontairement c'est intéressant l'architecte euh, l'a raconté il a dit je voulais qu'il n'y ait rien d'intimidant mais pardon mais si lorsque vous allez dans un tribunal rendre justice ou obtenir justice il n'y a rien de symbolique qui ait une forme intimidante voire d'écrasement qui montre qu'il y a une forme d'autorité qui n'est là c'est que vous êtes déjà en train de dégrader la société. Et là, dans cette sorte de, de hall d'hypermarché, avec des escalators, des, des trous dans les, euh, dans les, euh, dans, dans les plafonds qu'ils qui appellent des marines, parce que ça ressemble à la robe de Marine Monroe, enfin, vous, voyez, vous vous rendez compte du niveau de désacralisation euh, que l'on a mis en place, qui a coûté près de 4 milliards d'euros aux contribuables. 4 milliards d'euros alors que ce n'était pas un bâtiment nécessaire. Et moi, j'ai révélé comment cette chose où il y a des fuites, euh, évidemment tout euh, de suite, de... de de, défa fruit de défaillance, en fait, dans la façon, euh, l'eau qui coule à travers, à travers les murs, alors que c'est un bâtiment tout à fait moderne. J'ai raconté comment, en fait, c'était un, une offrande qui avait été faite par M. Sarkozy lorsqu'il était président à son ami Martin Bouy, un très proche ami, après euh, qu'il a attribué à, à la licence téléphonique à, à Free et à Xavier Niel. souvenez ce moment où on est passé de trois opérateurs à quatre opérateurs C'est une décision d'État. Donc l'État décide qui a le droit de participer à ce négoce. Et donc euh, d'avoir une rente à vie. Parce que vous imaginez bien, qu'il n'y a pas de concurrence, parce que c'est l'État qui décide quel acteur économique peut rentrer ou pas, si vous n'êtes que quatre à vous répartir l'ensemble du marché téléphonique français, la conséquence, c'est quoi C'est tout simplement que vous allez avoir une garantie, une rente à vie. Vous avez des coûts d'entrée assez importants. Vous devez investir des millions au départ. Mais derrière, en fait, vous allez rentrer toutes les années comme bénéfice important. Donc en fait, c'est une, fa une, une machine à fabriquer les oligarques. Et Bouygues était furieux qu'on ait permis à Xavier Niel d'avoir accès à ce marché, ce qui réduisait un peu. C'est marrant. De... Oui. Et, et, et il avait. Et Bouygues, c'est TF1. Donc c'est 20 heures. Donc en fait, Bouygues, qui avait appuyé pendant 20 ans Nicolas Sarkozy, qui lui avait offert table ouverte sur TF1 se pour sentait, euh, lui, construire pour sa, sa notoriété, se sentait trahi, trahi et a exigé des contreparties. Et parmi elles, euh, la construction de ce tribunal ahurissant en termes à la fois euh, économique, 4 milliards d'euros pour un bâtiment qui n'était pas nécessaire et évidemment, euh, par ailleurs, en, en termes de. Euh, des, de symbolique, d'esthétique, et ainsi de suite. Mais il n'y avait pas de besoin non plus là, pardon, encore une fois, de. Bien sûr que non. On, a, on est sur une situation aujourd'hui, l'île de la Cité est à moitié vide parce qu'en fait, il y a, y a une, un, un affaissement complet de la vie au, au cœur de la ville, ce qui est quand même aussi un, quelque chose d'extrêmement destructeur. C'est vrai aujourd'hui, l'île de la Cité, il n'y a plus que bon, les quelques avocats qui exercent à cours d'appel ou à cours de cassation, la préfecture qui est un bunker. Et après, les touristes qui viennent se balader, il n'y a plus personne qui y vit, il n'y a plus personne qui y travaille, parce qu'évidemment, le gros euh, des fonctionnaires travaillent sur les tribunaux de première instance. C'est là où il y, le plus de, il y a le plus de conflits. Et donc, il y a une dévitalisation de la ville qui, ajoutée à la spéculation immobilière, appauvrit encore un peu plus euh, Paris et, et fait que cette capitale rayonne de moins en moins. Mais ce qui est intéressant, c'est que du coup, Bouygues, par l'entremise de M. Salas, qui était son secrétaire général, directeur des affaires juridiques, qui était un hein, très proche d'Emmanuel Macron, son conseiller pour la campagne présidentielle qui espérait être nommé et qui n'a pas, pas pu l'être. Là encore, les entre gens oligarchiques, avec cette idée de, derrière, obtenir des visibilités sur TF1. Enfin, vous voyez, on trouve des accords, des choses auxquelles j'ai assisté lorsque j'étais conseiller de, de la future ministre de la Culture pendant la campagne de François Hollande, lorsque j'étais reçu par un alors patron de TF1, euh, non, est pas Paolini, qui qui en gros essayé d'organiser la trêve entre les socialistes et, 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 euh, et, et, et Bouygues, justement, parce que Bouygues, se sentant encore blessé par Nicolas Sarkozy, avait décidé de, de ne plus prendre parti pour lui pour la campagne de sa réélection, ce qui a d'ailleurs été extrêmement favorable pour Hollande, en échange de quoi toutes les critiques extraordinaires qu'il y avait contre TF1 à l'époque, par euh, Arnaud Moubourg et ainsi de suite, je ne sais pas si vous vous souvenez, ce moment où les socialistes étaient remontés contre TF1, se sont soudain éteintes et le quinquennat de, le quinquennat de Hollande s'est parfaitement passé pour, pour M. Bouygues et d'ailleurs Christiane Taubira, qui était devenue ministre de la Justice et qui avait dit que c'était un scandale, qu'elle ne laisserait pas ce bâtiment euh, se construire, ce tribunal judiciaire nouveau à Batignolte finirait par accepter, parce que évidemment la décision lui était imposée, pas présence. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que cette personne décide de me poursuivre. Évidemment, c'est ridicule. Ils vont perdre, parce que moi, j'ai rencontré non seulement Mme Tobira, mais M. Niel, ainsi de suite. Enfin, je veux dire, j'ai des sources quand même de, de premier niveau pour, pour, pour démontrer mes assertions. Mais plus intéressant, c'est-à-dire que ce bâtiment ne nous appartient pas. C'est-à-dire que je vais être jugé chez Wing, le tribunal judiciaire. Où je vais le juger, parce que je vais le juger dans le lieu dont je le dis qu'il avait été euh, octroyé au titre d'une faveur par, euh, par M. Sarkozy à, 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 au groupe Bouygues. Je vais être jugé sur les terres de Bouygues, en fait. Et donc on en revient à une forme de féodalisme. Vous comme voyez mais le tribunal aujourd'hui, une sorte de. de pas contrat de propriété Mais non, il y, a, il y a une sorte de contrat de long terme, comme ça, qu on le récupérera à la fin de ce contrat, mais pour l'instant, en échange de quoi Bouygues s'assure de l'entretien. De... Fascinant, n'est-ce pas? C'est fascinant parce qu'on en revient à quelque chose de l'ordre du Moyen-Âge. Il y a des féodalités. Vous voyez, l'autorité de l'État est devenue si insuffisante qu'on se retrouve dans des situations où euh, c'est Bouygues qui a aujourd'hui le contrôle sur ce bâtiment, qui en a sur l'entretien, et ainsi de suite. Et donc, je vais en parler au juge. Je vais dire, dire est-ce qu'il faut dépayser? Parce que je ne peux pas être jugé ici euh, parce qu'on parce qu est sur un territoire qui n'est pas neutre, finalement. Quoi. Et, euh, et donc, vous voyez, le, le, le fondement de la justice, ce n'est pas, pas hasard si la Sainte-Chapelle, si on, si on, on disait justice à côté de la Sainte-Chapelle. C'est le, le cœur du pays, historiquement, symboliquement, à l'époque évidemment religieusement aussi, l'autorité du roi et, et, euh, et de Dieu euh, qui, qui marchaient ensemble, eh bien, elle se retrouve euh, transformée en une sorte de mercantilisme de bas étage. Donc, il y a assez peu de conflits de cet ordre-là. Par contre, il y a un harcèlement permanent. Et puis, euh, dans une position comme la mienne, où les gens pensent que je suis vulnérable. Vous pensez que vous a... êtes victime de harcèlement euh, Je sais pas, de victime. procédure judiciaire. Moi, je, moi en fait, j'ai choisi un combat. J'ai choisi un combat, j'ai choisi une voie qui n'est pas confortable. C'est pas les plus faciles hein, de combat non plus. Non, parce que vous savez, la, la France m'a a beaucoup apporté. J'ai eu une chance extraordinaire de, de grandir dans ce pays. C'était pas donné. Je suis né en sud de l'Espagne, en Andalousie. Mes parents sont des gens qui ont un milieu favorisé, quand on peut le dire. Ah, bah, mes, mes parents, en fait, ont bénéficié euh, de l'appui de la République surtout euh, mon père comme producteur de cinéma, qui a euh, du coup, euh, en échange, eu une énorme exigence dans son travail et n'a euh, jamais cherché à faire fortune, contrairement à beaucoup de, de camarades de son époque qui, euh, aujourd'hui, vivent dans des hôtels particuliers extraordinaires. Lui a toujours réinvesti l'argent que l'État investissait dans les films pour en faire d'autres. c'était plutôt des films d'auteurs. Des films extrêmement exigeants qui visaient justement à, à faire rayonner euh, la culture de ce pays, aussi la culture portugaise, parce qu'il est en Vous aviez un destin tout tracé dans ce milieu-là, aussi. Ah, ça aurait été... Ça aurait été ça aurait été facile, mais, mais, mais je pense que c'est des valeurs qui m'ont inculqué, qui consistent à dire qu'il fallait exister par soi-même. Et encore. Et en rupture avec. Euh... Et encore, je veux dire, et c'est là où on en passe père. à la deuxième phase. C'est-à-dire que ça reste facile d'exister par soi-même lorsque l'on a eu accès à de telles richesses culturelles, à de telles. Vous voyez, donc ça n'aurait rien voulu dire, tout simplement, de devenir un fils de, un fils de bourgeois qui a fait les grandes écoles et qui finit par devenir haut fonctionnaire et qui dit je ne, je ne dois rien à personne, comme l'a fait Emmanuel Macron. C'était son discours à l'époque. C'est faux. On doit tout à tout le monde. Et on commence surtout par devoir tout à la collectivité. C'est le premier point de départ. Donc quand je vois des personnes comme M. Monsieur, comme Monsieur Hirsch, continuer des années après, avoir, après avoir bénéficié de tous les avantages qu'ils n'ont pas mérités, qui ne que rien de justifié particulièrement, continuer à piller ces ressources, continuer à s'appuyer sur elles. Quand je vois M. Darmanin, qui, qui gagne plus qu de 10 000 euros par mois comme, comme ministre, qui avant était élu de la République, maire, qui a, qui a, qui a accumulé des sommes gigantesques, si on, si on fait le calcul, sur toutes ces années pour, pour euh, soi-disant servir la République, mais on voit bien, servir ses intérêts personnels, se protéger. On a vu avec l'affaire, euh, qui n'était peut-être pas une affaire de viol, mais qui, qui était clairement une affaire de chantage avec cette femme à qui il proposait un HLM, à qui il envisageait d'attribuer de, des faveurs en échange de, de rapports sexuels, donc un rapport déjà à, à, à la position de pouvoir qui est particulièrement salissante et dégradante, quelle que soit la qualification pénale que l'on puisse ou non y attribuer cette personne-là qui essaie d'utiliser sa un mère. C'est lieu à l'arrivée. Hein. C'est pour ça que ce n'est pas une question pénale. Et je pense que l'erreur a été de la situer sur le plan pénal. Ce n'est pas pénal. C'est révélateur d'un rapport à l'autre. C'est révélateur d'un rapport à l'autre quand, à 26 ans, vous vous comportez comme un petit coq pour essayer de négocier avec quelqu'un qui, est visiblement, a un parcours difficile, des avantages, des faveurs, en échange d'un accès privilégié à, 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 votre, à, à, à son corps. Et donc, on est dans une situation où des personnes comme celle-ci ont l'un des sens favorisés. Aujourd'hui, euh, vraiment en dormant dans les sapins de la République, dans des conditions ont, je pense que ces personnes n'ont pas sorti leur carte bleue depuis des années. Vous voyez, c'est ce genre de rapport qui utilise euh, sa, sa mère de 67 ans en disant Vous voyez, ma mère, femme de ménage, euh, ne peut pas partir à la retraite encore, elle doit continuer à faire des ménages. On a envie de la dire, mais quelle est, que, d'une part, en termes d'échelle de valeur, votre rapport à l'autre -ce Si c'est vrai, comment est-ce que vous laissez votre père dans la situation où vous êtes continuer à s'esquinter la santé Et d'autre part, comment est-ce que vous osez l'instrumentaliser si c'est faux pour essayer de défendre des réformes qui n'ont qu'un objectif, continuer à accroître la pression sur des millions de Français qui sont déjà exploités, qui ont déjà des difficultés à joindre les deux bouts, qui, quelles que soient les opinions politiques que l'on a, sont dans une situation d'oppression systémique. Les Français en général, pas les Blancs ou les Noirs, les Français en général, sont exploités. Et on cherche à accroître cette exploitation au prétexte de quelques milliards d'économies alors qu'on vient d'en sortir des centaines sans aucune difficulté pendant la crise Covid et ensuite euh, tu fais des conséquences de, de la guerre en Ukraine, on, on est dans une dynamique qui, qui m'apparaît indécente et en même temps favorable pour nous qui luttons. Parce que justement la crise Covid a eu cet avantage et cet intérêt qui a été de déconstruire la légitimité de l'ordre discours. Il y a quelques années encore, pardonnez-moi d'être un peu long, mais ça me sort. Lorsque Quelqu'un comme Emmanuel Macron venait à la télévision et avec une forme d'arrogance et de suffisance vous expliquer. Le système de répartition par répartition des retraites est en crise, il faut l'équilibrer sinon ça va exploser, et puis ça sera la porte ouverte au n'importe quoi, il y a un déséquilibre de plusieurs milliards. » Vous vous écoutez, vous êtes impressionné, plusieurs milliards d'euros Incroyable Oui, il faut qu'on fasse quelque chose, il faut qu'on fasse un effort collectivement. Aujourd'hui, après les décisions politiques, le quoi qu'il en coûte. qu'ils ont et vraiment plus de 100 milliards d'euros qui ont été déversés dans l'économie en un claquement de doigts. L'annonce là de budget militaire qui monte jusqu'à 450 milliards d'euros sur, sur une durée déterminée. C'est-à-dire le jeu, les fortunes qui ont été déversées sans aucune orientation, par exemple, pour essayer de compenser la hausse euh, des prix de l'essence et, et du diesel. Mais c'est-à-dire sans à aucun moment chercher à changer les structures de l'économie, vous voyez, pour qu'on ne, ne soit pas face à des difficultés répétées d'année en année. On essaie juste de s'assurer qu'il n'y aura pas de révolte populaire donc on aligne les billets quelques instants évidemment c'est mal fait certains en bénéficient mais la plupart ne savent pas comment comment y avoir accès c'est extrêmement injuste mais surtout c'est du gaspillage haut et ils arrivent et viennent vous expliquer que vous allez tous devoir travailler x années de plus pour économiser une toute petite fraction de ces sommes qui ont été euh, dépensées n'importe comment il y a quelque chose qui ne prend plus voyez oui, et ça c'est une grande victoire c'est une grande victoire parce qu'ils ont été pris et c'est là où où je suis pas d'accord avec euh, les camarades qui euh, qui disent que le Covid aurait été une grande crise euh, organisée d'avance, et ainsi de suite, avec des discours qui, qui visent à, à, à donner l'impression qu'il y aurait une forme de, de planification de la part euh, d'un certain nombre d'élites, et ainsi de suite. On voit bien qu'ils ont été pris à rebours, qu'ils ont dû sortir en urgence un certain nombre de, de, de dispositions pour, pour survivre, pour que le système qui fait leur privilège ne s'effondre pas. Et aujourd'hui, en fait, ils ont de plus en plus du mal à avoir des discours qui leur permettent et ça, de se légitimer. Et ça nous ouvre des fenêtres de lutte extraordinaires une capacité à, 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 à les mettre à, à, à neuf, en fait, qui, qui, à mon avis, va nous être... On revient à cette procédure devant le Conseil constitutionnel. Euh, donc, euh, pourquoi cette démarche Donc, rappelez-nous, vous parliez de l'abstention. On, on est sur des législatives qui ont atteint des niveaux d'abstention record. En fait, on est, on est sur une situation où les élections n'octroient plus de légitimité à la loi, à ceux qui votent la loi représentant... On dire, dire qu'il y a si peu de gens qui votent, que vous en déduisez. Et, et le la Conseil constitutionnel avait atteint. ouvert dans une jurisprudence Daniel D la possibilité de faire annuler sur le fondement de de l'abstention euh, ces élections. Et donc on s'est dit bah On est allé, on a présenté un certain nombre de recours. Et donc il y en a un qui a été euh, avec des arguments différents, vous voyez, pour voir comment est-ce qu'on pouvait essayer de en les mettant en difficulté, évidemment, parce que si vous annulez une élection sur le fondement de l'abstention, s'il n'y a rien qui change, vous êtes sûr que l'abstention, l'élection suivante, pardon va être encore plus catastrophique en termes d'abstention. Donc vous allez rentrer dans un système où, qui se mord la queue, où euh, le fondement politique de, institutionnel va, va être mis en question. Et donc évidemment, le Conseil Constitutionnel n'a ben, pas n'a pas forcément envie d'aller de, de, dans ce sens. Pourquoi est-ce que je vous parlais de ça en relation de Martingale sur la question de la légitimité personnelle. Donc parmi les gens face à qui j'ai plaidé, il y a donc Alain Juppé. Donc il y avait devant vous qui euh, Alain, Alain Juppé, euh, Laurent Fabius, cette liste de Macronie euh, complètement indécente. Euh, qui, qui s'était ridiculisé, dont je ne me souviens même plus du nom, mais qui a été nommé un peu par, par complaisance par M. Macron en échange d'un certain nombre de services, de la part. Enfin, des gens qui n'ont pas forcément de qualité morale, pas forcément de qualité intellectuelle selon les uns les autres, l'ancienne directrice de cabinet de, de Dupont-Moretti, dont je sais le rôle qu'elle a joué pour, pour essayer de me heurter, et, et derrière, ce qui est très intéressant dix personnes qui sont comme des, euh, des sténographes qui n'ont pas de travailler de tapoter qui sont en fait ceux qui font les décisions du Conseil constitutionnel ce n'est pas ces, ces gens qui euh, moyenne d'âge assez avancé qui euh, ont leur carrière derrière eux qui euh, eux ils servent à couvrir c'est comme la patine qui vous permet de légitimer la structure de pouvoir la et réalité vous ont réservé quand et, vous arrivez arrive. et, 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 la, et la, la, la réalité du pouvoir évidemment c'est la superstructure de l'État c'est-à-dire le Conseil d'État le Conseil constitutionnel est dans le même bâtiment que le Conseil d'État. Et en fait, c'est les conseillers d'État qui sont des énarques, aujourd'hui on dit NSP, qui, qui, euh, qui façonnent les décisions du Conseil constitutionnel. C'est le secrétaire général qui est derrière et qui a son bureau derrière qui prend les notes. Et, et, et en fait, vous avez, comme souvent dans, dans, dans ce genre d'institution, euh, un artifice qui permet de dire au, à la population vous voyez, il y a quand même des anciens premiers ministres, des ministres, etc. Et derrière, la, 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 le véritable pouvoir décisionnel qui, euh, qui, qui prend les notes et qui. Euh... Mais bon, euh, Alain Juppé, euh, euh, très studieux, très attentif, euh, prenant des notes comme, 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 comme s'il était encore à euh, l'ENA, justement, euh, euh, pendant que, quand je discourais. L'accueil qui vous est fait est, 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 est presque grandiloquent. C'est la, la République, c'est les ordres de la République. Normalement, on ne laisse pas accéder quelqu'un comme moi, en tout cas avec un discours comme le mien, à des lieux pareils. Euh, donc, on, évidemment, on vous accompagne, des huissiers, on vous met dans une salle splendide. J'ai remarqué, c'est fascinant, je pourrais vous parler pendant une heure de de cette institution et de cette expérience, parce que vous avez des tapisseries magnifiques. Vous voyez, la tapisserie des Gobelins, euh, sauf que la, la tapisserie dans la salle d'attente où vous êtes, c'est une tapisserie de, euh, qui représente une chasse royale. Donc vous voyez, une sorte de, de chose où on, on met en avant la, je ne sais pas si la luxure, mais une forme d'insouciance, d'indifférence complète au où, où en fait on a un, un représentant de, du pouvoir qui est, on est dans un autre temps. qui est dans la, Oui, mais qui est dans la jouissance. Vous voyez, une mise en scène de la jouissance, pas du tout quelqu'un qui est face à ses responsabilités, qui doit prendre non. Il est en train de chasser, il s'amuse. Il y a des scènes comme ça. Et donc il y a déjà un décalage de représentation. Il y a encore tous les symboles napoléoniens, hein, parce que c'est euh, évidemment des, euh, des espaces qui ont été façonnés. Euh, je veux dire les lieux hein, par l'institution qui ont été façonnés par. Et donc vous avez le Conseil d'État qui, les Conseils d'État qui en fait derrière sont euh, sont ceux qui rédigent des décisions, qui le préparent. Euh, et donc ces personnes qui peuvent être plus ou moins. Euh, et donc Alain Juppé. Pourquoi je pense à Juppé Parce que ça m'intéresse. Le Conseil constitutionnel, c'est censé être ce qui garantit la légitimité de l'état, n'est-ce pas Des décisions qui s'assurent du contrôle, du respect des textes fondamentaux. remettre en cause la nomination d'Alain Juppé au Conseil constitutionnel. Non, je ne vais pas la remettre en cause. Je vais plutôt euh, l'utiliser comme un symptôme intéressant. Cet homme a été condamné définitivement, pénalement. Et vous, vous sonné euh, l'épisode de l'exode de Québec pour pour faire euh, pour, pour contourner la lali la, la qui, qui était et on, nomme, et on et l'a nommé postérieurement au Conseil, après qu'il ait été découvert. Moi, je trouve ça intéressant, non pas pour jeter l'opprobre sur un individu, mais sur la, la, le système ne semble plus croire en lui-même. Moi, je ne crois pas en la capacité de la justice à appliquer des stigmates en France. Mon expérience en tant qu'avocat m'a démontré que, fondamentalement, le système judiciaire est vicieux. Il ne fonctionne plus, je ne sais pas s'il a un jour fonctionné, il est de façon parfaitement tangible au service d'un ordre existant, on l'a vu sur mille épisodes de lutte, notamment pendant les Gilets jaunes, il n'y a qu'une possibilité marginale de lutter contre lui et il faut y mettre une énergie qui est démesurée et on n'arrive jamais en tant qu'avocat à provoquer des bascules suffisantes pour rompre avec ce système d'oppression. Et c'est quelqu'un qui a obtenu des relaxes pour des Gilets jaunes. Qui euh, sont des personnes qui ne sont rien, pour reprendre le terme d'Emmanuel Macron, contre Emmanuel Macron et Brigitte Macron, sur les plaintes pénales qu'ils avaient déposées personnellement contre Gilets jaunes, on en a parlé plusieurs fois, qui avait eu le tort ouais, de se gagner euh, devant Toulon avec un homard géant, contre Didier Lallemand, alors préfet de police de Paris, une relaxe pour une Gilets jaunes qui avait fait une pancarte euh, contre lui, et qui s'était fait arrêter brutalement à cause de cette pancarte, euh, saisir son camion et euh, traîner dans les, les, les tribunaux, Carole, contre Gérald Dermanin, qui avait envoyé son directeur de cabinet porter plainte en son nom, comme ça, du 8 e contre un ancien ouvrier qui avait eu un accident de travail, qui est invalide, parce qu'il avait osé faire un commentaire ironique sur un groupe privé sur Facebook. Donc j'ai obtenu des victoires contre tous ces individus les plus puissants. De ta... Et même comme cela, je sais parfaitement que c'est dérisoire. Je sais que ces victoires ne démontre en rien la capacité du système judiciaire parce que à, à être résilient par rapport à son instrumentalisation par le pouvoir et plus généralement par les classes dominantes. Ce système judiciaire qui est complètement effondré, moi en tant que personne qui est, je compense, je me considère en lutte contre, contre contre les pouvoirs actuels, ne fonctionne pas. Mais que ce système en soi à considérer lui-même. Quelque part, le système judiciaire ne fonctionne pas. Parce qu'il en est à nommer quelqu'un qui a été condamné pénalement, définitivement, par le système judiciaire, au, à la plus haute juridiction étatique. Pour moi, ça dit quelque chose, vous voyez. Ça dit quelque chose, et ça montre que, quelque part, la fiction qu'ils ont tenté de construire, qui, que la France a façonné pendant des siècles, et tous ces rituels, ces robes, euh, ces moulures, tout ça, qui vise à vous faire croire qu'il y a quelque chose presque de Il y avait même questionné de la ou, mairie de Bordeaux, hein, pour rejoindre ou, le Conseil constitutionnel. Donc, vous voyez, donc, c'est pas. Il ne s'agit pas de, de, de pointer du doigt et de dire ah celui-là il est corrompu etc. Il s'agit de d'être fasciné quelque part par le fait de se retrouver de le retrouver à une position d'autorité et de se dire bon bah voilà si eux-mêmes n'y croient plus c'est-à-dire qu'ils sont en fait on peut les renverser facilement en termes symboliques déjà on, on a gagné on a gagné parce qu'ils ont ils sont dans une dans une une corruption au sens littéral du terme, en fait. Vous voyez, le, le système se désagrège. On voulez dire qu'il se... n'est pas sage parce que ce que sont les sages, finalement, le Conseil constitutionnel En fait, est le système ne les considère pas comme sages. Ce pas moi. Moi, 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 moi c'est une décision euh, au nom de, euh, du peuple français, prise par des, euh, par des juges. qui disent que. Donc, à partir de là, qu'on m'explique. Est-ce qu'on y croit ou est-ce qu'on ne croit pas Est-ce qu'on adhère au système judiciaire français ou pas Qu'importe. Euh, entre... c'est important parce que euh, là, c'est la question de fond. On est encore en démocratie ou pas, en Mais Est-ce que vous croyez sincèrement que le peuple a un pouvoir aujourd'hui en France Ça n'a aucun le étymologiquement. Moi, je vais sortir un livre extraordinairement important, à mon sens, fin mars, qui, qui va remettre en question de façon fondamentale euh, notre approche à, à, à la défense du peuple français pour une raison très simple. Aujourd'hui, les principales égéries de la lutte, des personnes qui sont censées incarner le peuple français, disons, et qui qui protège les plus faibles. Disons François Ruffin, par exemple. qui se veut en héros. Ah, il y avait du eu eu toute une fragile. polémique, parce que d'ailleurs, vous aviez fait une vidéo... Passons sur oui. l'aspect guignolesque de M. Ruffin, qui consiste à faire des... Qui avait parlé avec Emmanuel Macron. Qui, en fait, qui avait négocié à deux reprises, voilà. Il négocié en amont avec Emmanuel Macron et les ouvriers qui l'accompagnaient, une mise en scène de leur confrontation. Passons sur cet aspect-là qui, euh, qui laissait contesté. Est, est... Pardon, ben moi, je ne passe pas trop là-dessus parce que je trouve ça assez grave quand on a deux visages. Alors, on nous avait rétorqué euh, sur les réseaux sociaux qu'il y avait deux journalistes présents. On se demande d'ailleurs en La quoi mise en ça a euh, cette mise en scène. Elle avait eu lieu, elle était factuelle. Deux fois. Deux fois. C'est-à-dire que si ça avait été qu'une fois, vous pouvez dire, c'est dans l'intérêt des ouvriers, etc. Mais il a refait la même chose après, des mois plus tard, avec Bourgeopoul. Et on voit bien, en fait, que ça servait à la fois des intérêts de M. Macron et de M. Ruffin de mettre en scène cette opposition. J'invite chacun à voir les vidéos, à C'est quand même très décevant de la part de cette personne, pour laquelle personnellement, moi, j'ai la plus grande estime. Euh, M. Ruffin, vu cette vidéo, Monsieur Ruffin euh... a fait sa carrière sur la, la mise en scène. C'est quelqu'un qui se, se veut et s'affirme artiste. Et, et, et donc, il y, y a quelque chose de l'ordre du... Euh, j'avais proposé dans, dans mon livre abattre l'ennemi » où je propose un plan du Paris révolutionnaire j'avais proposé de créer un palais euh, du guignol de la République vous voyez parce que c'est en fait la fonction qui cherche à lutter ce qui peut être une fonction c'est à dire quelqu'un qui provoque en permanence le pouvoir en place se met en scène comme étant comme le guignol dans, à l'époque euh, euh, du moyen Âge Donc où ça euh, des le bouffon, hein. comme le bouffon par monter que le bouffon du roi vous voyez qui, qui va mettre en scène une opposition face au roi tout simplement pour essayer de lui faire passer quelques vérités en passant pourquoi pas mais il faut que ce soit assumé il faut que ce soit assumé quand on le prend sur le fait qu'il ne prétende pas que ça n'est pas arrivé, etc. Mais moi, ce qui me dérange, c'est pas. Cet aspect-là, pour moi, il est acquis. Euh, ce, ce dont je n'ai pas parlé jusqu'ici et qui me semble important, c'est de rompre avec cette dimension de la supplique. C'est-à-dire qu'il y a dans. Et ça, c'est pour moi une opposition qui n'est plus sur. Vous voyez, une querelle de personnes. C'est vraiment une approche fondamentalement différente de la politique. Monsieur Ruffin euh, a un discours suppliant par rapport au... euh, Soit pour dire. Euh, euh, « Prenez-nous en compte. Okay. » Donc c'est la, la défense euh, symbolique où il dit « Martine a tel problème, Pierre a tel autre. » Et donc déjà, je trouve que prénommer les gens seulement, c'est en soi quelque chose de l'ordre déjà de la, de la suffisance, ou en tout cas du surplomb, et ensuite en disant « Voilà, vous, vous, vous ne les aidez pas assez, etc. » Dans un aspect plus politique, quand il se met, à mon sens, de façon quelque peu… Euh, en scène Ouais, mais ridicule quoi, euh, euh, au moment des Gilets jaunes, lorsqu'il va avec son écharpe tricolore, ce qui est déjà un signe d'impuissance. Si vous avez besoin de mettre votre écharpe tricolore, c'est que votre légitimité n'est pas acquise devant l'Elysée pour lire un texte un peu tremblant en demandant la démission d'Emmanuel Macron. Vous voyez ce qu'il avait fait, un... en fait, qui était un peu, un peu... après s'être fait expulser des points quelques jours avant dans, sa, dans, sa, dans son espace. Moi, c est, c est, c est ce rapport aux politiques. Ah, vous voulez dire qu'il n'était pas si populaire que ça au sein des Gilets jaunes ouais, bah, Bien sûr que non. Ça, ça... Parce que en fait, le politicien qui se met en scène, c'est justement ce contre quoi se sont élevés les jaunes. Moi je suis pas, je pense qu'en fait qu'il faut, on n'est plus à une époque euh, de la supplique. On n'est plus à une époque, pour revenir aussi sur la, sur la mobilisation, sur les retraites. Les retraites, pourquoi c'est important Non seulement parce que c'est un symptôme supplémentaire justement de cette tentative d'accaparement de la part euh, des classes dominantes face aux classes dominantes. Et dans ce livre qui va paraître fin mars, je fais tout un développement. Sur, comment je préfère vous le réserver parce que ça va, à mon avis, provoquer un certain nombre d'ébranlements, mais on en parlera à ce moment-là si vous osez le faire, parce que honnêtement, je pense que ça va, ça va, ça, ça va être explosif. Donc, dans, on s'inscrit généralement dans une nécessité, comme je vais l'expliquer dans le livre, de financer la transition énergétique. C'est-à-dire, on va faire, poser sur les mêmes, les plus pauvres, euh, le poids du financement de cette transition pour que les plus riches qui ont profité de l'ère du pétrole continuent de profiter de la nouvelle, nouvelle ère euh, des, des renouvelables et ainsi de suite. Importe. La retraite est importante pour ça. Mais le mouvement, la question de la retraite est aussi importante de façon plus fondamentale, ou presque spirituelle, la question de la monétisation du rapport à l'autre. Pourquoi est-ce qu'on a autant de mal à mettre en place et à maintenir un régime des retraites qui soit stable voyez Pourquoi est-ce qu'on est obligé, toutes les X années, de faire des réformes Ce n'est pas qu'une affaire de pillage ce n'est pas qu'une affaire euh, d'affaiblissement euh, de l'État et de la sécurité sociale dans le but d'essayer de faire entrer des capitalistes, des forces capitalistes privées, étrangères, et ainsi de suite. Il y a des facteurs de cet ordre-là, mais il y, a, il y a quelque chose de beaucoup plus profond, qui à mon sens n'est pas assez énoncé. Comment est-ce que vous mesurez la valeur en termes d'argent d'être, lorsque vous êtes dans le grand âge, lorsque vous êtes vieux, accompagné par vos enfants Comment est-ce que vous mesurez la valeur économique du fait de ne pas vous retrouver seul Comment est-ce que vous mesurez la valeur économique des repas en famille que vous n'allez plus prendre parce que cette société a complètement délaissé ce lien intrafamilial parmi, euh, et cette solidarité générationnelle. Ces choses-là, en fait, on a décidé que l'État, que les maisons de retraite allaient s'y substituer, qu'en fait des acteurs économiques, finalement, allaient... ouais, avec le scandale Orpea. Hein. Donc on a essayé de valoriser, en termes monétaires, euh, le, euh, et de substituer la, par l'argent la, au lien. Et, et d'ailleurs, c'est le discours de François Ruffin qui est de dire qu'il faut valoriser les métiers du lien, c'est-à-dire en fait, il faut recruter massivement des gens. Mais moi, je pense qu'il y a un discours qui est peut-être plus traditionnaliste, mais ma mère, depuis que je suis petit, pour reprendre, on va répondre à Darmanin comme ça, nous a toujours dit, vous ne me mettrez jamais en maison de retraite. Pourquoi Parce qu'elle vient du sud de l'Espagne, de l'Andalousie, dans un espace où elle a grandi avec sa grand-mère et avec son grand-mère dans le même espace. Aujourd'hui, c'est devenu très difficile pour la plupart des Français, à cause de la spéculation immobilière notamment, à cause de l'appauvrissement généralisé d'une grande partie des... Citoyens, mais en même temps en RPA, c'était au minimum 3 000, 4 000 euros par mois. Il faut les sortir, ces 3 000, 4 000 euros par mois. Et donc on est dans une situation. Il y formidable de Victor Castanet hein. euh, et des pressions qu'il a subies d'ailleurs. Mais attendez, mais tout est au courant. Moi, en fait, ça, là aussi, il faut, il faut arrêter de se laisser spectaculariser. cest à euh, il faut. Castanier, il arrive, c'est pas sa faute. Il joue une fonction au sein d'une société du spectacle et, et il est très heureux d'y participer. Et, bah, il faut il lui y y a, des en tenir bénéfices. c'est grâce à lui que ce, ce scandale a éclaté. Vous, vous allez prétendre que vous ne saviez, vous ne saviez pas que c'était un scandale des maisons de retraite euh, en ah, France Ah si si si. Et je pense qu'on est tous au courant. On est tous je, au courant. Je, je on, tous euh, au courant. On, on connaît tous des personnes euh, qui sont euh, placées soit parce que euh, dans notre famille ça a été le cas, soit parce que on sait. Mais c'est ontologiquement un problème, c'est ça ce que j'essaie de vous dire. Le problème, ce n'est pas le scandale marginal, c'est-à-dire ceux qu'on laisse mourir, etc. C'est le principe même de faire ces, ces systèmes rentables, rentabilité. Il faut quoi faut nationaliser les maisons de retraite Et euh, oui. mais il faut surtout interroger la déliquescence du lien. Les EHPAD privés La, la, la montée de la solitude dans ce pays. C'est un, un drame qui, qui est non oui. dit. La solitude à tous les âges, au plus jeune âge mais aussi justement évidemment mais là on va vous dire pardon ce sont des jolis mots mais euh, culturellement euh, d'ailleurs il y a une différence entre la gestion de nos aînés euh, dans les pays euh, d'Europe et justement, dans certains et autres mais pourquoi, pays pourquoi est-ce que ces structures internationales on les a faites s'effondrer au nom de la rentabilité et de l'argent et pourquoi est-ce qu'on a poussé vers cette dégradation pourquoi est-ce que toutes les dispositions d'État ont été faites pour justement favoriser pour essayer de monétiser ce, ce lien-là et pourquoi est-ce qu'on a détruit justement cette solidarité voire aujourd'hui socialement parlant c'est méprisable euh, d'être proche de ses parents, de continuer à, à les prendre en charge, voire de vivre avec eux, etc. Qu'est-ce qui a fait C'est parfois impossible. si... Et euh, très, euh, voilà. et non, c'était rendu impossible. C'était rendu impossible. Moi, bon, je vous dis quand quand, quand quand ma famille vivait dans un village espagnol, euh, où il n'y avait pas de pression spéculatif immobilier, etc. Chacun vivait dans un espace qu'il avait hérité, qu'il avait construit lui-même, souvent d'ailleurs. Et évidemment, du coup, il y avait la place pour un peu tout le monde. et On serrait un peu, évidemment. Il y avait, mais du coup, ça crée aussi des ruptures sur le rapport à l'intimité. Évidemment, c'est pas la... aujourd'hui. Il y a quelque chose d'insupportable, à l'idée d'avoir la belle-mère avec soi ou bon, tout, toutes ces questions-là, en fait, elles sont au fondement de ce conflit perpétuel parce que ça fait des années qu'on va manifester régulièrement. Sur les questions des retraites. Et c'est des non-dits absolus de la part des Justement, politiciens. alors c'est. Et où sur on sur des retraites. Pas. La en nécessité en de la réforme des retraites pour assurer la soutenabilité du système des retraites. Vous y êtes sensible euh... Écoutez, ça c'est un discours où, où, où je pense qu'on va ennuyer euh, nos, nos auditeurs si on n'en parle. Les ordres de grandeur sont connus par tous, c'est 10 milliards d'euros à peu près par an. On a vu les ordres de grandeur par rapport aux dépenses qui sont mises en œuvre par, le par système les Etats, par répartition, selon par, euh, les il pas la faillite. C'est évidemment pas le cas, mais encore une fois, si on s'en contente, si on pense sincèrement qu'en sauvant un système qui permet à des personnes, dans le meilleur des cas, euh, de gagner 1500 500, allez, pour ceux qui sont vraiment privilégiés, 2000 000 euros par mois, et pour la une grande partie des personnes, d'atteindre douloureusement les 1000 euros nets euh, euh, par mois. Euh, on est dans un système où, en fait, on essaye de compenser la dissolution du lien social avec quelques, une sorte de monnaie... Euh, euh, une sorte de reste, ça me fait penser à cette, cette vidéo qui, qui circule aujourd'hui beaucoup de Paul Doumer, qui était qui était devenu, qui, qui est devenu président du Conseil sur la Troisième République, mais qui était gouverneur de l'Indochine auparavant, et dont on voit la femme envoyer quelques pièces à, au, en Indochine à des enfants qui, comme si c'était en fait des, des pigeons, à qui on envoyait quelques quelques. On quelques est à la veille pardon d'une nouvelle grande manifestation, hein, c'est après-demain. Est-ce que vous pensez que ça peut changer quelque chose finalement Est-ce que la, euh, la mobilisation populaire a encore une utilité dans notre pays Vous voyez que, moi, si, moi, si j'étais là, j'ai traversé le cortège de Paris euh, le 31. Euh, si j'étais le gouvernement, je n'aurais pas bougé d'un iota. Ce peuple ne me fait pas peur, pas parce qu'il n'y avait pas d'ouvriers. Il n'y avait pas le peuple sombre qu'on a vu pendant les jaunes. Il était marginalement là, mais vraiment dans des petits morceaux de cortège, ici de la CGT, ici de FO. Le peuple sont celui qui fait peur. C'est intéressant, je vous interromps parce que je recevais récemment Étienne Chouard dans une autre émission, je cite, il se désespérait de voir les Français si peu impliqués de manière générale dans les mouvements pour la démocratie. Euh, vous êtes comme Étienne Chouard finalement un petit peu surpris parfois de la soumission euh, après la de violence, compatriotes. Après la violence qu'on a reçue, on n'est pas du tout un peuple soumis. On est un peuple qui a forcé euh, l'État à sortir des blindés pour nous intimider et pour nous empêcher de faire une révolution. C'est ce qui s'est passé pendant un jeunes et c'est ce qui s'est passé pendant un convoi des libertés. qu'on Et l'allemand, d'ailleurs, dans sa, dans sa il venait du Canada, hein, c'est ça. Hein. Dans sa biographie qui est sortie dans son livre d'entretien, en parle. Donc, qui était préfet de police de Paris, qui dit j'ai sorti les blindés parce qu'on était en panique complète, et j'ai sorti pas parce que l'état a eu peur. Non seulement l'état a eu peur, mais parce qu'en fait, on n'avait aucun moyen de s'y opposer, et j'ai sorti juste pour les intimider. Parce que je savais très bien, c'est pas avec mes trois blindés que j'allais réussir à les empêcher. Mais c'est juste, je me suis dit, c'est la dernière carte que l'on a. Pour empêcher qu'il y ait une, une rupture X ou Y. Donc, vous voyez, on a une situation quand même où, où le Non, tremblement... mais là, en tout cas, l'État a dit qu'il n'allait mais... pas revenir sur cet âge des 74 ans. je ne reviendrai pas. Je ne reviendrais... Que mardi, cette mobilisation, elle moi, peut je faire rev... changer les choses. Si cette mobilisation ne se durcit pas, moi, en tant que président de la République, j'ai pensé à ça, je, 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 je ne reviendrai pas en arrière. Parce que ces manifestations ne me font pas peur. C'est des manifestations de personnes qui ne sont pas du tout dans un rapport de discipline, à... de lutte, qui, sont, euh, qui se. C'est des balades, ces manifestations. Une manifestation, il faut... Il faut pourquoi est-ce que la manifestation a une puissance transgressive Pourquoi est-ce qu'elle a une capacité à ah, faire des choses est politiquement grand, En disant pardon. que ce sont des balades, les syndicats, mais là, ils mais, vont, mais, ils mais parce que c'était un préalable à la révolution et à l'émeute. On faisait peur parce qu'en gros, on mettait en, en scène notre force par le nombre. Et on disait, attention, si vous allez trop loin, on va accroître le rapport de force. Aujourd'hui, je peux vous assurer qu'il n'y a plus du tout cette discipline... Il y a en effet des syndicats qui continuent à se mobiliser, dont certains ont encore une forme de, de, de capacité à, 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 dans le rapport, à, à mettre en place des rapports de force, mais puis à l'échelle nationale, c'est fini. C'est sur, sur des luttes euh, euh, pardon, sectorielles. C'est par exemple le conflit sur, euh, sur l'énergie, sur les raffineries euh, qu'il y a eu en, en septembre dernier. Mais là, j'en veux beaucoup. J'aurais dit, mais vous, vous étiez au, au moment des Gilets jaunes. Alors, si vous avez cette capacité à paralyser le pays. Au moment des Gilets jaunes, dont malheureusement, on en reparlera dans un instant, mais il reste, excusez-moi. Pas grand-chose aujourd'hui, non Mais le mouvement s'est désagrégé, et heureusement, parce que ce mouvement n'avait pas à, à vocation à perdurer tel quel, on n'avait pas à vocation à se faire canarder samedi après samedi sans raison. Le mouvement avait une force et une légitimité tant qu'il était extrêmement majoritaire, jusqu'à 85% d'appui au sein de la population quand même, il faut s'en souvenir, et qu'il avait une capacité à produire des bascules. C'est-à-dire que lorsque, à l'acte 2 ou 3, je me souviens plus, on est rue euh, du Faubourg Saint-Honoré, à 150 mètres de l'Elysée, et que les, les gendarmes qui sont là, qui ne sont pas beaucoup, reculent parce qu'ils n'ont pas d'instructions, ils ne savent pas quoi faire. Et que c'est nous qui décidons de ne pas rentrer à l'élysée parce qu'on n'est pas des bouddhistes, parce qu'on n'a pas de vocation à prendre du pouvoir au nom du peuple français. On a une vocation à porter cette parole au plus près du pouvoir. Là, on est dans un travail, rapport vous de Vous croyez vraiment puissance. même, excusez-moi, qu'une révolution ait encore été possible, euh, honnêtement Pensez aujourd'hui, Juan de Branco, qu'une révolution ah mais, bah, il faut, serait possible Mais il faut l'organiser. Mais bien sûr, il faut s'organiser, il faut la prendre au sérieux cette hypothèse. Sinon, encore une fois, on en revient à votre question initiale. Le pouvoir au peuple, il est où Il est où aujourd'hui le pouvoir du peuple Moi, lorsque je vais dans les ordres de la République, encore une fois, privilège hérité. Là, on va vous dire, Emmanuel Macron est élu légitime. Mais regardez même la permanence ouais. des structures votre de participation, pouvoir. Mais regardez tout. la permanence des structures de pouvoir. Il a suffi pour moi d'avoir le parcours que j'ai eu, il y a déjà quand même un certain nombre d'années, pour pouvoir encore aujourd'hui être en capacité de produire, et de défendre des gens jusqu'au Conseil constitutionnel. Là, dans quelques jours, au tribunal de l'Union européenne, qui est euh, la sacro-sainte institution euh, qui, au Luxembourg, dessine du droit qui va s'appliquer sur l'ensemble de l'Union. Donc, vous avez en fait des procédures où vous avez des traducteurs en 27 langues, enfin, en 20 et quelques langues, pardon, qui euh, en permanence, enfin, traduisent immédiatement tout ce que vous racontez parce que ça va se diffuser sur l'ensemble du continent et ça va faire autorité. Lorsque vous avez des capacités à produire des décisions de cet ordre et d'obtenir. Et, et y compris dans une situation où je suis dans une transgression absolue, ça montre qu'en fait, les structures de pouvoir sont beaucoup trop permanentes, en fait. C'est-à-dire que la capacité à, à rompre avec celle-ci est devenue quasi inexistante. Et donc, quand vous avez des gens du peuple qui cherchent à se faire entendre, s'ils ne passent pas par des intermédiaires comme moi aujourd'hui, c'est très difficile. Or, c'est injustifiable comme situation. On n'a pas à dépendre de personnes qui proviennent de la bourgeoisie, qu'elles soient grandes ou petites, pour pouvoir se faire entendre en tant que peuple ou en tant qu'individu. C'est pas normal qu'on doive encore s'appuyer. Moi, j'ai toujours eu une forme d'irrespect Fondamentale face à la fonction d'avocat. Ce n'est pas une vocation euh, d'enfance, je, 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 je l'ai fait par, presque par, par hasard, parce que je travaillais avec Wikileaks et qu'il fallait trouver des façons justement de se protéger, ainsi de suite. Mais la, la fonction de l'avocature, elle est fondamentalement bourgeoise. Elle consiste justement à se mettre entre les mains de quelqu'un qui appartient aux classes dominantes, qui a fait des études, qui provient de classes sociales favorisées à 95% euh, des fois, et qui va, en votre nom, porter, traduire vos intentions et vos paroles auprès de magistrats qui est aussi en fait son service de cet ordre existant pour quelque part éviter qu'il y ait une contamination possible directement de la part de la personne qui qui essaye d'obtenir d'obtenir justice. Donc toutes ces toutes ces constructions qui visent par des, des corps intermédiaires, vous voyez, qui visent à créer des des, 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 des points d'isolement du pouvoir, qui nous permettent au pouvoir de rester dans sa, dans sa coquille. Il faut les déconstruire intelligemment. Il ne faut pas créer de l'anarchie, mais il faut progressivement justement créer des bah, C'est un peu ça qu'on a reproché aux Gilets jaunes parce qu'il n'y avait pas d'incarnation de leader des Gilets jaunes. C'est peut-être ça qui a fait que, Mais heureusement, a la fragilité aujourd'hui de l'incarnation, elle est fondamentale. Regardez, j'ai été mise en examen pour viol, pour avoir chatouillé une femme. Aujourd'hui, la capacité à détruire un individu à, en lui appliquant un stigmate sur, un, sur des non événements, sur des non faits, est et et déconcertante. Donc, le pouvoir de part euh, d'un côté. Euh, L'influence oligarchique qu'il qui a sur les médias, hein, c'est-à-dire euh, la détention, on en a parlé à chaque fois, on en parle des croque-morts comme Bernard Arnault, qui détiennent de Parisiens et de la compagnie, euh, associé à Xavier Niel, qui est quand même mise en cause dans des affaires de peu d'élégance, de, de peu, euh, de, de on va dire, qui contrôle le monde et compagnie. Ces quelques personnes qui se connaissent, Lagardère, Bolloré, ils sont cinq ou six hein, pas plus, un Patrick Drahi, il, ça fait des années qu'ils se fréquentent, qui fréquentent les, les, les palais de, de la République, qui en tirent aux sources revenus et qui en échange oeuvre de la visibilité et protection à l'égard de, 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 des médias et donc du coup du peuple français, euh, associé au contrôle extraordinaire que ce pouvoir a, notamment via les nominations sur le pouvoir judiciaire, qui est subtil, qui ne consiste pas à donner des instructions directement, et encore, à des juges ou à des juges d'instruction, mais qui consiste à nommer les bonnes personnes aux bonnes positions, avec l'accord à chaque fois du CSM et compagnie, de façon à ce que le, la justice ne demeure qu'une autorité et non pas un pouvoir, ce qui est dans l'échelle constitutionnelle inférieure. Et c'est quelque chose qu'Emmanuel Macron a rappelé d'ailleurs, comme pour intimider les juges. Ce qui n'empêche pas justement des formes de rébellion, un peu par fierté, avec parfois justement des, des tentatives de monter des affaires pour, par des quelques résistances. Vous pensez être victime de. Mais je ne suis pas victime. C'était bah, raconté un peu dans le discours que vous me tenez. Mais euh... non, non c'est un rapport de force. On est dans la lutte. Et c'est de la lutte réelle. Elle implique ce genre de conséquences. Elle implique que vous puissiez vous donner euh, dans votre pureté et dans, dans, dans toute la douceur et l'intégrité que vous pouvez avoir à, à, à une femme qui vous a sollicité, et, et, et vous retrouvez avec elle dans ce que vous pensez être un geste d'amour, et que le lendemain, cette personne vous trahisse et utilise ce geste pour vous détruire, et que ce soit immédiatement relayé Alors à moi, laissé, vous comme si c'était révélé... Qu comme, euh... si ça a été, comme ça a été révélé par trois, journalistes, par exemple trois journalistes judiciaires, euh, Marc Lepongeon, M. De Cugis et Mme Guena, dans un livre chez Grasset, des personnes qui ont détruit ma vie, pas du tout des alliés des personnes qui ont joué un rôle instrumental dans la mise en œuvre de ces affaires, de ces fausses affaires, que ce soit l'affaire Rivaux, que ce soit maintenant celle-ci, que ce soit tous les autres. Vous parliez de harcèlement. <laughs> je me souviens encore dans une émission qu'on peut retrouver sur YouTube, où, euh, que j'ai faite avec Truchot à l'époque où, où BFM m'accueillait encore, euh, où je me se sentais obligé de m'accueillir, où je disais, mais à chaque fois que vous m'invitez, c'est parce que Macron veut me mettre en prison. En 2019, c'était pour crépuscule avec Aurore Berger qui me signale euh, au procureur de la République. Il faut avoir de la mémoire, vous voyez. Et en fait, justement, la, la force de mainstream, parce que moralement, c'est quand même pas évident. Là, je m'adresse à... Euh, plus à l'avocat, mais à l'homme, euh, c'est quand même. Vous n'avez pas de moment où vous dites bon, est-ce que ça vaut le coup ce combat euh, euh, je... Tous ces coups, je me prends en retour. Euh, mais objectivement, la trahison. Je pense que le coup de très loin le plus violent ça a été cette trahison de l'intimité. Non pas. Du fait du stigmate social, qui est évidemment extraordinairement violent. Parce voyez, la... que chez ce procédure, elle est toujours et, et, courte. Et... Être, de... uh, être traité de violeur, voir sa famille interrogée sur vos pratiques sexuelles. enfin Vous n'imaginez uh, pas l'horreur. L'horreur absolue. Encore une fois, la seule accusation, c'est que je l'aurais chatouillé et, euh, et embrassé l'oreille. Enfin, vraiment, c'est des choses qui sont. On est en plein délire. Mais au-delà. Donc, l'horreur de l'atteinte à l'intime et, et, et au sentiment d'injustice qui fait que lorsque vous endormez, lorsque vous prenez une femme dans vos bras. Uh. Vous... Vous avez quelque chose, vous imaginez ce que ça fait à, à cet âge en plus de, de la crainte, de l'inquiétude, du, du, et, et ces, ces marques qui restent à vie. Ça, c'est évidemment des choses que si on, aurait, on avait pu les éviter, j'aurais préféré. Mais qu'est-ce que c'est en, en comparaison au fait de me dire que j'aurais pu rester aveugle à l'existence de ces systèmes de domination J'aurais pu ne, ne pas avoir conscience que cela pouvait se passer comme ça. Et de, de ne pas comprendre en fait comment peuvent, de façon très fine, être instrumentalisées les institutions judiciaires. Je vous renvoie à ce livre, Ministère de l'Injustice, qui sur cette affaire par exemple indique que l'analysée a été informée, la conseillère de justice, Madame Davot, qui depuis a été promue à la Cour d'appel de Bastia, alors qu'elle n'avait pas du tout l'expérience en tant que magistrate pour l'être, a été informée en homme de la mise en examen. Alors qu'une mise en examen ne se décide qu'après avoir entendu la personne qu'après avoir entendu personne, avoir entendu ce qu'elle disait. Et l'Élysée est informée directement bon, et est, répercute donc, voilà, immédiatement. Je ces affaires sont mais suivies je pense pas est, au plus haut lieu. Des journalistes qui Vous me, me font peur, mais c'est des journalistes et qui me détestent, qui ont tout fait pour me détruire, que... qui ont été payés pour, enfin, et pour qui la Et sont attention. ces journalistes Ces trois journalistes. Marc Le Plongeon, qui sont le, reconnus comme les, les, les plus puissants journalistes judiciaires de, tu sais, du Parisien, du Point, et Paul Je veux dire, ce ne sont pas des alliés, ce ne sont pas des complotistes, entre guillemets, comme, comme le pouvoir. Ce des gens qui sont proches du pouvoir et qui racontent même parce que c'était leur source. Que la conseillère justice était informée en direct et en amont de la décision qu'allait prendre la justice d'instruction. Comment, comment est-ce que, face à ça, vous voulez qu'on. Moi, quelque part, je suis. Le soulagement qui me prend à ce moment-là, c'est celui de me dire Eh bien, c'est dit. Eh bien, en fait, j'ai la chance, moi, contrairement à beaucoup d'autres, de savoir. Parce que, par un hasard, parce qu'ils ont voulu se faire valoir dans leurs livres et compagnie, ils ont mal calculé leur coûts, ils ont révélé ce truc qui, en fait, évidemment, est catastrophique à terme et qui va se retourner contre eux. De la même façon que mon plus grand soulagement lorsque j'ai travaillé avec WikiLeaks et Julian Assange pendant les années, c'est le moment où un lanceur d'alerte est venu voir euh, les rédactions d'El País, du Guardian et compagnie, avec des vidéos, des sacs de vidéos entières euh, où, où on nous avait filmé notamment avec Julian lors de nos entretiens. Et en fait, il nous a révélé que c'était un, un, une entreprise espagnole qui travaillait avec la CIA, qui avait, été, euh, qui avait reçu une commande pour justement mettre en place un dispositif d'espionnage autour de l'ambassade. Et à partir de là, le fil a remonté et ces grands journaux qui sont des journaux d'État, des journaux de pouvoir, qui ne sont pas, encore une fois, des gens qui fantasment, etc. Et ensuite, un grand article de Yahoo! News a démontré qu'à partir de 2017, une équipe spéciale de, de la CIA avait été mise en place pour nous traquer et pour nous détruire parce que Mike Pompeo avait décidé que nous étions une menace équivalente à celle d'Al-Qaïda. Et vous voyez, on avait ressenti à l'époque tout ça. Cette période, de moi j'ai ressenti de la basculée dans ma vie. De mille façons, enfin, vous commencez à voir des choses qui ne devraient pas arriver dans votre vie. Vous voyez des menaces, des pressions, des désagrégations dans votre espace social intime, encore une fois. Parce que c'est ce qu'ils appellent des opérations d'entrave, ce que Snowden a décrit dans, dans, dans son livre sur son expérience à la CIA. C'est un moment où vous créez une petite déstabilisation qui n'est pas attribuable. Et vous laissez de la personne couler, se vulnérabiliser. Donc à partir de là, en fait, de la rendre manipulable ou insignifiante politiquement. Et donc, avoir découvert, avoir eu la preuve qu'en fait, ce, que, ce, qui, ce qui était tellement aberrant à l'époque, que l'on se disait que ça ne pouvait pas être un hasard, mais sur lequel on n'arrivait pas à mettre les mots, qu'en fait, c'était bien dans le cadre d'une opération de déstabilisation claire je peux vous dire que vous respirez sereinement d'un coup à C'est-à-dire que quand vous avez la preuve enfin et qu'elle vient justement de ce pouvoir, qu'elle est reconnue par Mike Pompeo et ses conseillers qui en effet non, ont confirmé euh, à Yahoo News euh, qu'en effet il y avait bien eu cette équipe qui a été mise en œuvre et compagnie, tout d'un coup vous êtes soulagé, de la même façon que j'ai été soulagé d'avoir quelque chose de tangible qui permettait d'expliquer en fait quelque chose qui vous avez détruit sans le comprendre. Et de façon générale, je pense vraiment, on parle beaucoup de complotisme, on l'utilise en fait comme un. un ah bah ça, c'est le terme. La semaine, il y a eu un, un débat entre Olivier Véran et André Bercoff, voilà, qui a essayé de remettre en cause la politique d'Olivier Véran, en tout cas, et lui a reproché. Premier mot qui a sorti Olivier Véran, ça a été de traiter André Bercoff de complotiste, et euh, l'affaire est pliée, voilà. Ce qu'on appelle le complotisme, c'est quoi Comment vous expliquer que ce, ce... Mais, mais justement, j'ai une explication, je pense, qui est une explication intellectuelle. Euh, ce que l'on appelle les complotistes, je pense qu'il y, y a deux catégories. Il y a ceux qui sentent qu'il y a un loup et qui recherchent la vérité, vous voyez, qui recherchent, qui sentent qu'il y a quelque chose qui dans le discours officiel ne tient pas, hein. mais qui n'ont pas forcément les instruments et les outils pour. De même, euh, ils n'ont pas accès au, au, aux documents secrets euh, qui sont produits euh, en Conseil de défense, par exemple. Ils ont pas, ils n'ont pas les connaissances scientifiques nécessairement, les méthodes pour réussir à, à, à trouver des solutions. Et il y a ceux qui les ont et qui recherchent véritablement et qui vont révéler des vérités euh, qui vont euh, déranger le pouvoir, mais qui ne vont pas parvenir à une institution. Suffisamment respecté pour être immédiatement reconnu. Et il y a enfin ceux qui vont essayer d'instrumentaliser les premiers et qui vont leur proposer des théories qui sont fausses pour essayer d'orienter leur discours. Par exemple, euh, Alain Soral sur, sur sa fixation sur les Juifs. voyez, Alain Soral, il comprend bien qu'il y a un problème dans la fabrique de l'information en France. Voyez. Il comprend bien, tout le monde le sent, que, que les médias orientent le discours d'une façon ou d'une autre. Donc, Alain Soral arrive avec une rhétorique assez classique euh, qui a été inventée par l'Église catholique au 19e siècle, notamment pour. Euh, en gros, il y avait les Juifs et les francs maçons qui étaient. Euh, les Juifs, le peuple qui, qui est précédent au christianisme, et les francs maçons c'est la société qui va être construite à partir de la lumière pour succéder au christianisme. Donc, évidemment, l'Église, entre les deux, essaye de créer une, une théorie comme quoi ils auraient fait une alliance secrète pour. Ça, ça c'est théorie théories du 19e siècle qui ont essaimé. Et Alain Soral, qui est un lettré, s'appuie sur ces théories du 19e siècle. Pour essayer d'expliquer le monde d'aujourd'hui. Il dit ben voilà, c'est les juifs qui font ça et c'est les francs-maçons, et donc ensemble ils ont créé, et c'est eux qui manipulent l'information. Alain Sorel sait très bien que ça ne se passe pas comme ça parce qu'il a connu euh, ce système d'intérieur, il était chez Ardisson et compagnie. Il sait très bien que ce n'est pas, pas ces vecteurs-là qui se mettent en place. Et quand j'arrive, moi, avec Crépuscule, et que je donne les clés de compréhension qui sont beaucoup plus subtiles et plus fines, euh, du, du détournement et de l'instrumentalisation médiatique par des forces. Économiques, qui servent à tout, tout ce système Pardon, entrelacé. Pardon, je ne peux pas m'empêcher de vous interrompre là parce que vous avez cité Alain Sora, alors ça me renvoie évidemment à une actualité dont on a relativement peu de parlé. Parler, mais je finis juste, il devient mon ennemi. Il devient mon ennemi parce qu'en fait, je, 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 je montre l'imposture d'un discours qui en fait avait pour objectif de rendre impuissants les gens, leur donner des fausses clés de compréhension contre lesquelles on ne pouvait rien faire. Qu'est-ce que vous pouvez faire contre la toute-puissance, la maçonnerie, rien Enfin, vous voyez, ça, ça vous laisse en spectateur du monde. Et moi, je leur donne des outils concrets. Vous, disait... vous n'avez jamais été franc-maçon, par exemple Non, non, non. On m'a jamais proposé, mais ça, j'ai toujours expliqué. Enfin, c'est intéressant parce que c'est une question à laquelle je m'étais pas du tout intéressé. Et puis, j'ai compris peu à peu que, en fait, la franc-maçonnerie, c'était d'abord des réseaux puissants en province et pour les personnes qui notamment n'ont pas fait de grandes écoles. Dans la justice, on en parle beaucoup, À Karl quart Oui, dans le cas ici, euh, bien sûr, les, les ans, euh, ils avaient une grande vous influence. Vous y, famille, vous y croyez famille, encore à a... cette influence de la franc-maçonnerie sur la justice Elle est en, en partie fantasmatique et en partie réelle, selon en fait, les espaces auxquels vous appartenez. C'est-à-dire que quand vous venez d'une grande école, quand vous remarquez qui est formation dans l'espace politique français et qu'il qu soit connu, en hein, l'avalé comme tel, c'est euh, des gens comme Manuel Valls, comme Jean-Luc Mélenchon, comme, comme, comme Benalla. C'est-à-dire des personnes qui n'ont pas fait de grandes écoles. Et donc qui, en fait, ont un besoin d'un réseau de solidarité qui ne soit pas celui que l'on a naturellement lorsque l'on a fait Polytechnique, Sciences Po et compagnie, etc. Et donc, c'est des voies d'ascension, disait l'allemand. C'est sont les voies d'incension euh, qui permettent de structurer les réseaux. Par exemple, moi j'ai une affaire euh, euh, sur laquelle j'ai travaillé. Euh, Tayyeb Ben Abderrahman, un, un citoyen français euh, que je ne représente plus mais que j'ai représenté un temps, euh, qui est un citoyen français qui a été torturé, arrêté et torturé au Qatar euh, parce qu'il euh, détenait des informations sur la Coupe du Monde euh, 2022. Et en fait on voit, euh, et ça c'est pas moi qui le dis, c'est la DGSI qui au dossier de l'enquête dit, bah, voilà, en fait il s'appuyait notamment sur... Euh, sur des réseaux de policiers qui étaient structurés autour de loges qui permettaient de faire du trafic d'informations. Donc, il ne faut pas être dans un truc fantasmatique, c'est-à-dire une grande organisation hyper structurée, etc. C'est des gens qui, en fait, à un moment donné, pour, pour servir leur carrière, pour servir leurs intérêts, veulent utiliser ces rampes de lancement pour faire des petits arrangements qui vont avoir des effets plus ou moins catastrophiques sur les citoyens. Et moi, du coup, en tant que, que parce que j'ai je me suis longtemps demandé pourquoi non seulement j'avais jamais été sollicité, enfin envoyé d'une façon directe ou indirecte. Que je sache, en tout cas, quoi que j'ai compris, mais surtout pourquoi, pourquoi je n'avais jamais été vraiment confronté directement à des pratiques de cet ordre-là. Euh, C'est parce que j'appartenais à des classes qui sont considérées comme supérieures, comme des castes supérieures au sein de la société, en fait, et que euh, ça sert de point d'appui, en fait, ces, ces réseaux-là. Voilà. Donc, mais faisons attention à ne pas nous cornériser. Oui, non, pardon, juste, vous parliez d'Alain Soral qui est annoncé beaucoup de lobbies. Oui, mais il ne faut pas cesser ou pas, pas euh, cornériser par, par le lobby en France atten Attention, il faut pas cesser cornériser par des, par des discours simplifiants. Il y a des réseaux d'influence, il, de, il y en a de mille manières, il y a des clubs de toutes sortes. C'est important d'informer, c'est important de ne pas rentrer dans une systématisation non plus. Il faut, il faut avoir une compréhension qui, en fait, permet de comprendre les entrelacements de ces réseaux et comment justement ils produisent des effets. Moi, c'est ce que j'essaie de faire avec Crépuscule, où, en fait, je vais de tout là-haut, c'est-à-dire les gens les plus puissants du monde, des gens comme Bernard Arnault, comme Xavier Niel, qui... Euh, Bernard Arnault, c'est quasiment 200 milliards d'euros de fortune, enfin, c'est le PIB d'un... Ah bah c'est l'homme le plus riche monde. petit. Voilà. faut s'en réjouir plutôt, ça, ou... Attendez, j'arrive... Donc, j'allais de là-haut, parce que j'ai connu ces gens-là, j'étais chez eux et compagnie, et, et je descendais... Vous avez été reçu par Bernard Et Bien sûr. Et, 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 et sa famille. Et, et, et je descendais jusqu'au... Euh, et ces hôtels particuliers. Et, et je descendais jusqu'au jusqu niveau le plus euh, le plus crasse, entre guillemets, des paparazzi, des, des policiers VO et compagnie. Et j'essayais je de les montrer comment, en fait, c'est des systèmes qui croisent des ouais. réseaux influenceurs. Voilà, Vous parlez de quoi avec Bernard en en Des policiers. Hein, euh, c'était des événements mondains. C'était des événements mondains. c'était pas des, seul euh, en tête à tête avec J'ai jamais eu de tête à tête avec J'en ai eu avec j'en ai eu avec euh, un certain nombre d'autres personnes, de proches euh, des uns et des autres. J'ai connu leur. leur leur, leur, leurs intimités et euh, et euh, et je vous disais donc pardon que du coup il euh, y l'explication systémique elle doit elle doit être mise en œuvre à partir justement d'un croisement des sources on a c'est très rare d'avoir accès euh, à, à la fois aux mondes interlope de la république corrompue des policiers véreux et compagnie et euh, à ceux du politique à ceux du journalisme en général chacun dans sa bulle se protège justement moi, comme j'étais un peu jeune et euh, j'allais un peu partout, un peu en soutien, ça m'a permis de croiser toutes ces informations. Et j'ai compris que du coup, il y avait une complexité qu'il fallait restituer. Vous voyez, ce n'est pas un truc monolithique, un système monolithique. Ça, ça s'échange ça souvent, ça, les influences se croisent. On... Et donc, il faut continuer en permanence à analyser. Il y a un journaliste, des journalistes extraordinaires qui font ça, il y en a très peu. Il y a des journalistes qui trouvent grâce à vos yeux, euh, Ron Borgose, on a l'impression que vous dénoncez vraiment tout le monde. Non, mais il y, y, y a des gens courageux. Alors, y a si des gens... Par exemple. Quoi, à part euh, les gens que vous défendez, mais mais j'ai pas, pas envie de les, de, les, de les nommer parce que j'ai peur que ça se retourne ouais, contre eux. Vous allez les mettre ça dans va, la barre. Hein. Voilà, c'est ça. Mais il mais y en a. Il y, y a des semi-courageux, donc ceux qui essayent de pousser jusqu'à une limite qu'ils savent ne pas devoir franchir euh, parce qu'ils sont dans un système, parce qu'ils sont victimes de ce vous système. y a des soutiens, euh, on va dire, discrets et puis euh, écrits publiquement euh... Le Moi, j'essaie le plus transparent possible. C'est vraiment, je, euh, pour ça que je, je réponds à toutes les questions sur la franc-maçonnerie et compagnie, parce que sinon, ça n'aurait aucun sens ce que je fais. Parce que sinon, ce que je ferais consisterait justement à continuer à alimenter le système. C'est-à-dire, dénoncer une partie de celui-ci euh, pour en protéger une autre. C'est ce que font euh, toutes les machines. Euh, il, y a, il y a des, des systèmes, en fait, il y a des entreprises qui sont construites pour faire ça, des, qui alimentent les rédactions de Mediapart, du Point et compagnie, comme on qui, qui parfois écrivent des articles à l'avance. Moi, j'ai des dossiers d'instruction où on a, dans le Point, dans le Figaro, des intermédiaires qui fournissent clé en main des articles qui sont publiés tels quels, après avoir, euh, avec des gens qui ont des rendez-vous, et j'ai des preuves de tout ça, vous voyez, donc ils ne peuvent pas m'attaquer parce qu'ils savent très bien que j'ai eu accès à ces informations, et des directeurs de la rédaction qui, euh, qui, euh, qui déjeunent avec ces intermédiaires pour justement trafiquer euh, euh, ces informations, pour avoir un échange. Ça vous a choqué le déjeuner à l'Elysée, par exemple, des journalistes Mais, euh... ça, Mais vous ne vous rendez pas compte à quel point c'est rien par rapport à la réalité de... Aujourd'hui, fondamentalement, le journaliste est un trafiquant d'informations. C'est quelqu'un, en fait, qui va protéger une source pour, pour détruire une personne, puis après euh, inverser son rapport et qui va s'inscrire dans des réseaux d'alliances pour essayer de nourrir ou de se nourrir d'un pouvoir. Aujourd'hui, en France, le journalisme, ce n'est que ça dans une immense majorité. Lorsque vous apprenez, par exemple, via euh, rien de chemin dans le monde, que la visite de Mme Zelinsky à, à l'Elysée était euh, organisée par... Euh, par Havas et qu'il y avait tel et tel soutien qui essayait d'influencer la politique étrangère de la France et ainsi de suite, des forces privées. Hein. En fait, on comprend, si vous savez lire entre les lignes, vous comprenez que cette information ne sort dans le monde que parce qu'il y a quelqu'un au sein d'Elysée qui essaie de s'abonner la planche du nouveau conseiller en communication d'Emmanuel Macron, ouais. ou Monsieur Michel, pour euh, essayer de protéger son. Sa... Donc vous voyez, c'est un jeu de pouvoir. Donc vous allez avoir une partie de la vérité, mais vous n'allez pas connaître. Le réseau. Ah, c'est lui qui travaillait avec robert Murdoch, non je Voilà, crois. exactement. Donc, vous avez, on va vous, vous donner un petit morceau qui va vous exciter, qui va dire Oh, c'est un scandale, etc. Mais derrière, vous avez... C'est pour ça, encore une fois, le discours de la dénonciation, il est efficace, mais il n'est pas intelligent. C'est-à-dire qu'en fait, il faut reconstruire une approche systémique politique. C'est-à-dire comment est-ce qu'on change systémiquement les choses C'est pas en disant un tel, un tel. Il y en a qui faut évidemment envoyer en prison. Moi, j'ai proposé dans un matin et de créer un tribunal ah, bah, Il y en a en mais... un qui est en prison. Pardon, je vous interromps, mais là, je, je fais une digression, mais il euh, y en a un qui a voulu bousquer les et oui, je vois que vous avez chaud, donc je vous en prie. Il euh, y a quelqu'un que vous défendez depuis peu et euh, les spectateurs de cette émission s'en sont beaucoup euh, émus, euh, qui s'appelle Alexandre juvin Brunet, euh, qu'on a reçu dans cette émission voilà. d'ailleurs il euh, y a quelques mois et à qui je transmets, euh, s'il si peut l'entendre, euh, mon amical euh, soutien parce que je suis euh, intimement convaincu que c'est quelqu'un euh, de bien. Euh, bon, il a essayé de. Vouloir euh, peut-être bousculer le système en, en créant euh, sa monnaie. Alors euh, j'aimerais savoir ce qui s'est passé. Il est actuellement. Alors d'abord, est-ce que vous nous confirmez qu'il est en prison et ouais. que vous êtes son avocat il est, il, est, il est en prison et il m'a désigné. Donc moi maintenant je dois avoir accès au dossier de l'instruction, ce qui va arriver euh, rapidement est ce qui va me permettre d'établir une ligne de défense avec lui, de comprendre comment le défendre et comment. Euh... Donc, vous nous confirmez d'abord qu'il est en prison actuellement Il est, il est, en, il est en prison, en prison. Euh, à, à Draguignan. Il va être entendu. Euh quelques jours par d'instruction, donc j'irai l'assister je vais consulter à ce moment-là le dossier et à partir de là je, je vais pouvoir assurer sa défense et, euh, et organiser avec euh, avec lui euh, bah, tout simplement euh, donc euh, il est en détention alors là je, je, je questionne l'avocat on comprend pas parce que le procès n'a pas encore eu lieu si tant est qu'il procès. en détention provisoire oui. il est en détention provisoire ça peut durer combien de temps ah ça peut durer ça dépend si c'est criminel ou, ou délictuel mais ça peut durer longtemps on, est part, on peut partir sur des années si on le souhaite donc la question évidemment c'est des vitesses là je pense pas que ce Julien Brunet, qui est quand même un, un ancien de Saint-Cyr, qui a servi euh, la France euh, pendant des années, et qui euh, ne m'a pas l'air euh, d'être un escroc, honnêtement, mais quelqu'un qui, au contraire, a essayé de mettre en œuvre un projet politique qui euh, menace les intérêts de la nation. Parce que lorsque vous créez une monnaie concurrente à celle qui est aujourd'hui en place, évidemment, vous devenez euh, inquiétant, surtout si vous avez du succès. Euh, ce qui est peut-être son plus grand péché, c'est d'avoir euh, réussi, en fait, à... À, à obtenir la confiance d'un certain nombre de nos personnes. Après, encore une fois, je n'ai pas encore eu accès au dossier, donc je préfère euh, prendre le temps d'échanger de, de, avec lui pour, pour établir la ligne de défense et comprendre ce qui s'est joué, quel est son passement politique, quelle est le, la traduction juridique de ce fait. Mais c'est là où, où, vous voyez, ma position intermédiaire peut être intéressante, parce que j'ai gagné hein, devant le Conseil constitutionnel. C'est quand même intéressant. Ah oui. Alors, il euh, fallait revenir à... C'est-à-dire que c'est pas, pas seulement on a réussi à passer tous les filtres pour se retrouver devant eux, mais bon. Et... Mais quand vous dites vous avez gagné, attendez. Euh... On a fait annuler l'élection en question, législative. Alors pas sur le fondement d'abstention Pourquoi Parce que s'ils si, si le, enfin si nous donnaient raison derrière, tout tombait comme un jeu de domino. Vous voyez, c'était un effondrement complet. Donc ils ont pris un argument secondaire qu'on avait donné, et mais c'est un signal envoyé de façon tacite en disant faites attention parce qu'on est capable peut-être. Au pouvoir, à l'étape d'après... Euh, ben, attendez, quand vous nous dites que vous avez gagné, dites-nous clairement, précisément... On a fait annuler, les, les, euh, la requête que nous avons déposée pour faire annuler une élection législative, une des élections de la circonscription, en l'occurrence voilà. euh, des Français de l'étranger en Amérique latine, a été annulée grâce à notre requête, on a notre nom au journal officiel euh, sur, euh, sur ce fait, donc elle va devoir être organisée. Donc on obtient des victoires. Donc ils ne peuvent, peuvent pas nous délégitimer... Euh, sur euh, sur le parcours ils ne, ils ne peuvent pas nous délégitimer sur notre efficacité non mais donc le droit il y a peu d'avocats qui... finalement mais ou non, au bout du compte mais non mais non mais vous êtes vous voyez bien comme j'adore votre naïveté elle me, elle, me, elle me fascine au contraire on nous donne victoire pour contourner l'argument que l'on si nous rejetait ils étaient obligés de répondre à nos arguments sur l'abstention vous comprenez donc ils étaient obligés de justifier pourquoi une élection où il y a 85 d'abstention restaient légitimes, malgré le fait qu'ils avaient eux-mêmes dit quelques années auparavant que l'abstention était un motif d'annulation d'élection. S'ils nous donnent raison, comme ils l'ont fait sur un motif secondaire, ils peuvent faire comme ils l'ont fait, c'est-à-dire ne pas répondre aux autres motifs. Donc même si 90% de notre requête portait sur la question de l'abstention, ils ont pris le paragraphe 45. Et c'est pour ça qu'on a mis la requête en ligne, pour que chacun puisse en inspirer et éventuellement faire des recours à leur tour. Euh... Où oh, est-ce qu'on peut la construire Donc, c'est une victoire euh, sur, sur, sur mon Twitter. Donc, c'est une victoire à la Pyrrhus, mais c'est une victoire quand même, parce qu'en fait, l'argument de droit, pour le coup, est trop important. pour... je vous avez récupéré votre pour, Twitter euh... en passage, parce que. Oui, c'est bloqué, hein, quand même. Pendant les élections, comme ça. Su... Ouais. Non, mais ce n'était pas suite à un tweet sur euh, Lagardère, non oh, ou... Oui, ah, oui. Ou, ou, euh... ce, ce qui vous dit, vous voyez, quand. Ce n'est pas, pas, pas moi qui affirme que je suis en lutte et compagnie nana. Quand on reçoit un mail de la Gardère, de la présidente de la Gardère Média, la présidente du plus gros groupe de médias en France, qui par erreur vous laisse en copie d'un message qu'elle envoie à ses collaborateurs en disant de moi c'est un dangereux, euh, préparez-moi une réponse, etc. Vous voyez, et que vous publiez sur Twitter. et que... Dans Là, la... vous parlez de Constance Binquet. Et dans les trois heures, euh, la Gardère sollicite tout de suite, évidemment, la direction de Twitter. Pour faire suspendre mon compte au motif que j'aurais publié une correspondance privée alors qu'elle m'a été adressée et que j'en ai du coup comme en droit ça ne tient pas du tout sauf qu'évidemment il n'y a pas de contrôle juridictionnel sur les sur ces plateformes parce que y a une forme d'extraterritorialité extraordinaire pour les pour les plateformes euh, c'était la direction de à l'époque voilà textuel qui a... s'est fait depuis euh, sortir par Elon, par Elon, Elon Musk, Musk et donc ils me suspendent le... ils me verrouillent l'accès au compte pardon ils me disent vous pouvez faire appel je fais appel ils y répondent pas et ils disent par contre vous pouvez supprimer le tweet et là, on vous redonnera donc, un chantage extraordinaire en disant auto-censurez-vous. -auto vous laissera... Donc, vous n'avez pas supprimé. J'ai pas supprimé le tweet, ça a pris six mois. Et à un moment donné, j'ai fini par, euh, par le faire et le reposter. Parce on, on dit, euh, et, euh, et on s'est retrouvé dans la situation présente. Et c'était un moment quand même cardinal. On est sur les élections qui s'approchent. C'est pour ça, il y, y a des calendriers. Et il y a des forces. C'est aussi pour vous dire. Quand on est dans une situation quand même où on décide, vous m'aviez posé la question euh, dans un, du dernier entretien qu'on a fait, pas sur cette chaîne, mais sur uh, l'émission que vous animez uh, sur Bistro sur, sur liberté, ouais. liberté, on m'avait dit, mais où est-ce que vous habitez Je vous ai dit, au centre de Paris. Et j'ai fait ce choix d'habiter dans un, un petit rez-de-chaussée euh, euh, auquel je m'accroche. Dans un joli quartier. Dans même. le plus beau quartier euh, du voilà. monde, peut-être. Euh, on ne va pas, pas le redire à chaque fois, je vais finir par avoir, euh, parce que ce n'est quand même pas un grand quartier en plus. Donc, mais... Et, mais où les gens d'ailleurs ouais, m'ont identifié, dans cas, enfin, ils m'ont connu. Quartier touristique, euh, euh, Qui est devenu atroce, complètement pillé justement par ces masses euh, touristiques. Et on se retrouve dans une situation où il y a beaucoup de bobos. Hein. Non, il y a surtout... c'est pas du bobo, c'est bien plus que ça. Là, on est vraiment au, au, au cœur du au pouvoir. Cœur. Euh, et, mais le fait de tenir dans ce, dans ce cœur, à la fois physiquement, mais aussi dans... dans non, parce dans... que vous devez y croiser tous ceux que vous concevez. Qu et c'est ça qui est, est magnifique. magnifique. Et, et dans cet engagement institutionnel sur lequel ils ont du mal à avoir pris, c'est-à-dire qu'ils multiplient les procédures. Là, là le conseil de l'ordre a essayé de me faire une procédure parce que j'ai lancé une cagnotte pour financer les actions pro bono qu'on fait au, pour les gilets jaunes, pour les militants politiques, les convois de liberté, etc. On récupérait euh, trois fois rien. Et euh, alors que les trois quarts du barreau euh, de Paris euh, vivent euh, du, du liquide que leur versent les trafiquants de stupes en, en en tout type, parce que c'est aujourd'hui euh, les viols et, euh, et, le, et le, trafic, le trafic de stupes, C'est en gros les deux sources de revenus principales des avocats parisiens. Moi, ils voulaient ils m'ont attaqué moi parce que en fait j'essayais de faire financer des actions pro bono pour des gilets jaunes. Enfin, on est sur euh, le parc eh ben des bon, citoyens, là, par les citoyens. Parle... Vous parliez en fait, lieux, vous avez... y a de a quelque chose de schizophrénique à habiter dans un lieu où. Mais non, qui est à Enfin, comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on comment ça, est ce qu'on mais... plutôt habiter dans un. Quartier comment est-ce comment est-ce qu'on défend euh, euh, les gens les plus fragiles de la société si on se marginalise soi-même. C'est pour ça que je vous invite, on avait déjà eu cette discussion, on a eu cette discussion au moment de... Euh, au sujet de la, de la, de la vaccination. C'est-à-dire que dans cette émission, le on générique m'a été comme, comme euh, avocat des antivax. C'est très important ça dans, dans le discours, ne vous auto-marginalisez pas. cest euh, il est très important de, de, de défier le pouvoir en restant au plus proche de lui. Et, et d'une part parce qu'on comprend mieux, ça nous permet d'être plus précis dans la critique, plus, plus, plus acerbe aussi, plus menaçant, parce qu'il il se sent tremblé si la critique tout juste, si on est sur un, quelque chose de trop général ou de flottant... En gros, infiltrer le système pour mieux le combattre de l'intérieur, c'est ça infiltrer ou en tout cas le côtoyer plutôt. Être resté au plus proche, vous voyez, ne pas le laisser vous écarter, vous éloigner, de façon à ce qu'après il puisse vous traiter de conspi complotiste, conspirationniste, etc. Et moi, j'essaie d'utiliser tous les instruments, c'est pour ça que j'essaie d'utiliser tous les instruments que m'a donné le, le pouvoir, pour le déconstruire. Vous voyez, c'est cette dialectique qui m'intéresse. Cette dialectique qui me semble beaucoup plus précieuse qu'une sorte de critique un peu distante qui, qui en fait, finirait par perdre, par perdre son sens. Et donc, c'est donc, pour ça aussi, quand, quand, quand vous me parliez des, de la franc-maçonnerie et ainsi de suite, faisons attention à ne pas, euh, à, à ne pas alimenter euh, des discours déjà attendus, qui sont d'ailleurs alimentés euh, par, par des grands médias comme Challenge et compagnie qui le font régulièrement et si on rentrait dans une, dans une compréhension fine et, et, et distribuée du pouvoir il y a des forces différentes qui influencent, et si on comprend lesquelles comment etc, plutôt que de tout centrer sur une seule qui crée du fantasme, parce qu'en l'occurrence ils ont des pratiques ésotériques et ainsi de suite et dont la puissance réelle dépend encore une fois des contextes et des situations, peut être plus ou moins important donc, donc voilà, parce que sinon en fait c'est trop facile pour, pour reprendre votre exemple, pour Olivier Vérande d'aller venir voir André, André Bercoff Berko, et voilà. dire voilà, vous êtes ou quoi, parce que oui parce qu'il c'est facile, il, il s'appuie sur le, un, moment, un, un, un instant de fragilité suffit à vous légitimer. Un, Une erreur, un, une comparaison un peu outrancière, et vous, êtes fini. et vous êtes fini. Et donc, du coup, il faut avoir cette précaution, euh, du, du, ce sens de détail, du détail, pardon, de l'exigence, qui, euh, qui requiert des efforts, qui est moins satisfaisante, parce que du coup, vous allez peut-être faire moins de vues, vous allez peut-être faire moins de retweets et compagnie, mais qui va vous permettre, à force de pertinence, à un moment de gagner la confiance des gens. Et de leur permettre enfin, non, non, de se dire. Euh, de citer Wikipédia, un tweet qui avait euh, je ne sais pas combien euh, de mois. Ça, ça, ça dit quoi, quand même, de l'argumentation de, de ces gens-là qui sont ça, complètement pense, poil, quoi. Oui, mais ça dit aussi des gens qui ont parfaitement compris euh, les mécanismes de légitimation délégitimation de légitimation face à des gens, des spectateurs, qui n'ont pas le temps d'aller vérifier de même l'information, qui n'ont pas le temps d'aller s'assurer. Et donc, en fait, il suffit de. Prétendre soit une source d'autorité qui est reconnue, qui est, pardon, qui est perçue comme telle. On appelle l'inversion accusatoire aussi. Oui, c'est une façon, vous voyez. Et puis vous, vous sortez le pont grossier de la personne en question, mais c'est très difficile d'aller contre. Ah oui, vous avez pas de solution finale. Bah oui, c'est vrai que c'était pas très fin. Et d'essayer de vous rentrer dans un truc vous êtes déjà en train de vous justifier. En quoi, en quoi Monsieur Berkoff a justifié Il n'a pas, pas été ministre de la santé pendant le Covid. Enfin, je dire, on Il est... lui a dit. Il lui a dit. Mais pourquoi vous fuyez Parce que au final, il n'a jamais répondu ouais, à la question. Ouais, et ça portait notamment sur la question, pardon de vous interrompre, il avait juste auparavant souligné cette obligation euh, qui avait réussi à, à placer les laboratoires pharmaceutiques au moment où ils avaient donc livré euh, tous les vaccins à tous les pays du monde. C'est que c'était conditionné puisqu'il n'y avait pas le, le délai d'expérimentation suffisant eh bien, euh, ils avaient réussi à inclure des clauses dans leurs contrats. Alors ça, je ne sais pas si vous avez eu accès à ces, à ces contrats, mais en tout cas, euh, comme quoi ils n'étaient pas responsables en cas d'effet secondaires majeur. Moi, j'ai eu, euh, révélé un, un contrat. Euh, et voyez, pourquoi est-ce que c'est important de ne pas s'automarginaliser Donc moi, j'ai eu accès au, au contrat entre Pfizer et le Brésil. Euh, une source me les a donnés. Et ça a été, je pense, les premiers contrats entre une industrie pharmaceutique et un État qui ont été publiés intégralement. On l'a publié sur Aurore.org pour la première fois. Et à cause, à l'époque, de l'effet de marginalisation que j'ai subi du fait de ces, ces attaques répétées, euh, la presse française s'est sentie euh, légitime à ne pas répercuter, alors qu'il y avait une information qui était très importante dans, 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 dans ces contrats c'est qu'il euh, y était démontré que l'Union européenne avait surpayé de trois fois les vaccins par rapport à un, à un État comme le Brésil, qui est quand même la huitième puissance mondiale en termes économiques, qui donc fait largement de quoi payer au même prix que l'Union Européenne. Donc en fait, il y quasiment une forme d'escroquerie de la part de Pfizer, euh, dont on commence à, à découvrir par ailleurs les tenants et aboutissants. Et donc, parce que euh, j'ai eu une activité internationale, j'ai travaillé à International et dans des institutions ainsi de suite, j'ai réussi à faire sortir l'information dans le Guardian. Qui a une source institutionnelle très légitime. Euh, à donc, j'ai contourné cet effet de censure. Mais si ça n'avait pas été le cas, euh, cette information, qui déjà était largement moindrie, c'est-à-dire, ça aurait dû être un énorme débat à l'échelle européenne, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on a surpayé, en quoi c'est légitime et compagnie, euh, cette information serait restée dans un secteur de la population qui n'a pas prise sur le pouvoir aujourd'hui, parce qu'elle est très éloignée du circuit, euh, et donc sans pouvoir produire d'effet politique. Et donc, c'est très important de garder, encore une fois, cette dialectique, cette, de lutter vraiment pied à pied contre ces institutions, contre ces tentatives de légitimation, d'avoir accès à des informations, comme ce que je vous disais sur euh, euh, la fuite à l'Élysée euh, de ma mise en examen, qui, qui viennent de sources considérées comme légitimes par le pouvoir actuel, de façon à... à c'est des prises de judo, en fait, vous voyez, à une, les utiliser contre eux. Et ils peuvent rien faire, parce que si, du coup, ils décrédibilisent cette source, ils se décrédibilisent eux-mêmes, de la même façon que s'ils attaquent euh, normaliens, Sciences Po et compagnie, ils attaquent les sous de leur légitimité. De leur... Et donc, vous voyez, c'est en fait, ma stratégie politique repose de discours et de, de lutte, repose sur cette, euh, sur cette équipe qui est très difficile à tenir, parce que, encore une fois, vous avez des offensives qui sont d'une monstruosité Et vous n'êtes plus invité dans les médias, c'est ça, ou presque Ça dépend. C'est-à-dire que ça avait marché pendant quelques mois, et puis, bam, la Liga, qui est quand même le plus grand championnat de, de foot et d'organisateur de compétitions sportives au monde, peut-être, hein, un acteur extraordinairement puissant, me prend comme son avocat pour euh, l'affaire Mbappé, pour un certain nombre de choses. Et donc là, du coup, bah, l'AFP, il ils sont obligés de faire une dépêche. Et donc, et là, et, et RMC est obligé de me réinviter. Vous voyez, c'est un, un rapport de force. On n'est pas sur... C'est pour ça que, -ce y a que, pas finalement, ce vous, rapport à la victimité il pas des causes médiatiques parce que finalement... Mais pas du tout. Attendez, on, on passe nos journées à, à, à se trimballer avec des, euh, avec des affaires qui sont très lourdes à gérer et qui, qui, qui prennent beaucoup de temps. Parce que, par contre, c'est vrai qu'on choisit souvent des combats qui sont symboliques d'une façon ou d'une autre et qu'on qu contribue à rendre, sinon médiatique, du moins socialement important. Par exemple, les grands frères en Guadeloupe, du nom de ces, euh, de ces personnes qui ont participé aux révoltes de fin 2021 en Guadeloupe sur la situation sanitaire, et euh, qui, du fait d'un accord entre l'État et les syndicats qui avaient organisé ces révoltes, ont été envoyés aux quatre coins de l'Hexagone pour euh, payer au nom de, de, des véritables organisateurs de On ces ré révoltes. On les accuse d'avoir planifié les révoltes. Ce pas du tout le cas, c'est des, des, des boucs émissaires. Ces personnes-là, on les avait complètement oubliées. Eh bien, en intervenant en Guadeloupe, en dénonçant cette situation, je contribue à en faire un sujet de société, un sujet médiatique. Est-ce qu'on a le droit de se révolter en démocratie, Rwanda Mango bah, La preuve que non. On, on, on se fait écraser, mais avec des. Moi, j'ai des affaires qui sont euh, comme celle de ce manifestant de Vichy, beau symbole, qui euh, s'était retrouvé euh, euh, en détention provisoire. Pour avoir violé son contrôle judiciaire qu'il avait été imposé, qui consistait à ne pas se rendre dans le département de l'Allier, c'est-à-dire dans le département où il vivait. Et pourquoi est-ce qu'on lui avait interdit Parce qu'on l'accusait d'avoir été organisateur d'une manifestation interdite. Oui, pourquoi pardon. Attendez, Arrêtez, pourquoi toi. on l'interdisait d'être organisateur d'une manifestation interdite Parce que euh, des RG étaient venus le voir au bout de la deuxième manifestation, en disant "Écoutez, on a vu que vous aviez l'air plutôt jeune, intelligent, etc. Ça serait bien si vous pouviez nous signer ce papier." Pour qu'on puisse organiser un peu les choses et compagnie. Et la troisième, ils l'ont arrêté. Pourquoi est-ce qu'ils l'ont arrêté Parce qu'il voulait faire plaisir à Paris, qui disait Vous nous tuez ce mouvement, vous nous arrêtez des gens. Et du coup, évidemment, ça crée un sentiment d'arbitraire chez tous les autres qui, qui permettait un peu de que La question que je c'est la contestation. Est-ce qu'elle ne doit pas d'abord avoir lieu dans les urnes et uniquement dans les urnes, Juan hein, de Branco Moi, je sais que vous ne le pensez pas. Donc, je trouve ça, je trouve ça, je trouve ça sympathique que, que vous me le posiez comme ça. parce que, Donc, je ne vais pas être. Euh... Je ne vais pas être désagréable avec vous parce que, contrairement à d'autres qui pensent encore sincèrement, euh, surtout euh, j'ai eu droit à ça sur le plateau de TPMP euh, récemment, je sais que vous n'êtes pas naïf par rapport à ça. Euh, le politique est une affaire de rapport de force, une affaire de lutte. Euh, les urnes, c'est sympathique quand on a un système euh, suffisamment équilibré, avec un, une cohé cohésion sociale suffisamment importante pour, euh, pour, pour permettre une, une écoute de la part de ceux qui sont au pouvoir euh, euh, à l'égard des populations. On en est très très loin et. Euh, et il y a très clairement en fait un, une rupture institutionnelle à mettre en œuvre, qui est encore une fois le fruit de mon, de mon livre à paraître, et qui, euh, qui, qui reprend le politique pour ce qu'il est, c'est-à-dire un pur rapport de force, euh, qui aujourd'hui doit être mis en œuvre. Voilà, ça je pense que je suis euh, fondamentalement convaincu de, de ce fait. Et donc, juste pour finir sur les grands frères, parce que ça me semble important, c'est comme des gens qu'on a déportés à 7000 km de chez eux, qu'on a envoyés dans quatre prisons pour, faire, pour en faire des boucs émissaires et des, et des exemples, on paye très cher. La médiatisation. Là, je suis attaqué sur la Guadeloupe par les pouvoirs institués qui disent que je suis ci, que je suis ça, etc., parce que j'ai eu le courage de porter une parole dans l'espace public de défense. Donc, la notoriété, pour ceux qui n'y ont pas accès et qui la désirent, c'est une excitation. Mais ils ne se rendent pas compte du niveau de responsabilité et d'engagement que ça requiert et de, et de, de la lourdeur, parce qu'elle n'est pas simple but de flatterie. Je vous donne un exemple. Là, en venant, en fait, vous n'êtes pas loin d'une. Enfin, le lieu où on tourne n'est pas loin d'une boutique Louis Vuitton. Et j'ai vu bah euh, voyez, oui, Bernard Arnault vous poursuit partout. <laughs> les gens faire la queue ouais. euh, pour avoir le privilège de dépenser des milliers d'euros pour s'acheter un, sac, euh, un sac Louis Vuitton. Donc déjà, en temps de crise, c'est incroyable, les profits. En temps de crise, et même juste. Les boîtes n'ont jamais été aussi fortes, moi ça me surprend. C est... C est Elles ont une puissance qui, qui va vous amener, alors que vous, vous êtes prêts à. Et à encore, sacrifier... ils ont le droit d'en acheter qu'un seul. Voilà, à <laughs> sacrifier hein, deux SMIC, trois SMIC, ouais. quatre SMIC pour un, pour un, pour un objet euh, qui, en, qui en coûte dix fois moins à produire on vous fait attendre dans la rue euh, comme si vous étiez à la queue euh, d'un McDo. McDo ou de, ou même enfin, qui, même oui. le McDo s'assure qu'il n'y est pas qu la queue. Donc ça c'est la première chose qui, qui me semble assez frappante. Et la deuxième, euh, euh, en face de... La deuxième, non, mais ça qui, dit quoi ça, Sur un plan philosophique, euh, en ces périodes de crise, le luxe ne s'est jamais aussi bien porté. Ben voilà, et ça, ça. j'en reviens à la deuxième observation que j'en ai tirée, c'est les, les, les personnes qui faisaient la queue. En fait, vous aviez. Euh, vous avez un peu pas, regardé, ouais. un tiers de, de, de touristes japonais. Ouais. Voilà, chinois, japonais. Plutôt, je pense, chinois aujourd'hui, parce qu'on essaie de se distinguer socialement, justement, dans les ascensions. Et, euh, et, et clairement, des, des gens qui viennent de banlieue. C'est-à-dire, en fait, a priori, des gens qui n'ont pas tant d'argent que ça. voyez Et qui, en fait, vont et chercher liens... la reconnaissance sociale. La reconnaissance sociale à travers. Et après, troisième observation, qu'est-ce qu'il y avait en face de cette boutique Une affiche de Léa Seidou. Pour les pubs Louis Vuitton qu'on a vues parce qu'elles sont dans le monde. est Asseidou qui est comédienne. Euh, qui est comédi une, grande, une grande comédienne. Enfin, une grande comédienne, ça peut être débattable. Mais qui, en tout cas, qui, dans, dans, dans l'image, tapisse euh, le pays entier, partout, chaque coin de rue, une campagne de communication extraordinaire. Et donc, évidemment, les Asseidou regardent les gens qui font de la queue, et les gens qui font de la queue regardent les Asseidou en se disant Je vais. Prendre un morceau de cette vie assez doux et je vais devenir moi-même un peu celle-ci et je vais créer du désir de la même façon qu'elle crée du désir à mon égard. Et donc là, il y a aussi. Je suis surpris que vous n'ayez pas souligné que son grand-père était voilà. le patron euh, euh, oui, de l'entreprise. des gens donc, qui n'ont euh, pas le besoin pâté. de gagner les millions qu'ils gagnent en participant à ce que je considère être une forme de prostitution. C'est-à-dire une forme de, de prostitution qui va euh, euh, amener des millions de personnes à sacrifier, à se sacrifier, à faire des efforts extraordinaires dans l'espoir intangible et peut-être inconscient, de le ressembler ou d'avoir accès à cette aura euh, que la nature vous a donnée, et, et je trouve ça très laid et sale, et, et en même temps du coup une sorte de démonstration de, du fonctionnement vaniteux euh, auquel on, on est tous euh, susceptibles à un moment ou un autre de concéder, et, euh, et c'est quelque chose, c'est une leçon qui me semble importante aussi pour nos spectateurs, cest à ne, de la même façon qu'on peut vous faire haïr quelqu'un avec une facilité déconcertante. et euh, et en général, on va tout faire pour vous amener à détester ceux qui vont être les plus proches de vous. On peut tomber dans l'excès inverse qui est celui de la fascination. Il y a des gens que vous haïssiez euh, Non, alors ça, ça c'est aussi, on a essayé de nous faire, faire de moi quelqu'un qui était jaloux, dans la rancœur, dans l'échec. Ouais, Gabriel Attache, ce n'était pas le grand amour quand même. Hein. Ah, mais indifférent complet. Moi, moi, moi ce que j'adore, c'est qu'on essayait de, de faire de moi un échoué. Vous, vous imaginez, même avec moi, moi je le savais d'avance. Et c'est d'ailleurs, je me suis constitué politiquement dans le but de contourner cet obstacle. C'est pour ça que j'ai fait ces efforts. Relatif pour euh, passer ce temps dans ces institutions extrêmement prestigieuses que je rappelle à chaque fois, c'est pour, pour vous rappeler que même face à des personnes qui ont eu cette force et qui sont en fait inattaquables sur ce point qui continue encore aujourd'hui malgré ma position à obtenir des victoires devant les plus hautes juridictions euh, euh, nationales, on, on, on tente de, de, de me faire porter le discours de la frustration, de l'échec. On, on essaye, on, on ne conçoit pas que la critique puisse être politique, on ne conçoit pas que la critique puisse être sincère et qu'elle soit liée à un dégoût par rapport à ces formes de vie, par rapport à ce rapport à l'autre euh, qui, euh, qui, qui, qui sont proprement inhumains ou à la marge de l'humanité. Et, euh, et ça aussi, c'est une façon d'encourager les personnes qui nous entendent, qui font face à ces stigmates au quotidien, qui n'ont pas forcément les armes euh, dont j'ai eu la chance de bénéficier. Ne vous laissez pas écraser par ce rapport au stigmates et à l'humiliation. Vous avez perdu des amis ou pas Non, parce que. Euh... Bah déjà est-ce que vous en avez des amis <laughs> Oui, et je me suis construit dans un dans un rapport d'intimité très très structuré où euh, où en fait, je ne dépendais pas de enfin, c'est d'ailleurs ce qui mon sens a fait ma force, c'est ce qui a permis d'éviter une déstabilisation trop importante. J'étais pas inscrit dans des réseaux mondains. Donc en fait, les gens qui me connaissent et ceux qui me sont proches et n'ont pas peur de ce qui va être dit ou évidemment ça les déstabilise, ça leur fait du mal parce que ça peut aussi les, les désocialiser. C'est pour ça, j'en n'en parle pas nécessairement euh, publiquement, mais c'est des personnes à qui j'ai construit une intimité suffisamment importante pour ne pas me sentir menacé par par une trahison et j'en ai, j'ai pas eu le malheur de connaître cette forme de trahison et de, et de laideur. Et ça, c'est une grande force. J'aimerais qu'on aborde pour cette dernière partie de l'émission, je le disais, ce sujet particulièrement sensible donc de cette période du Covid-19, ces trois années qu'on a, qu a donc subies. Euh, quel bilan vous faites donc de cette période donc, je vous disais le, le dévoilement positif, c'est-à-dire la le, le révolution fait anthropologique, comme on l'entend souvent. Non, mais le, le fait d'avoir dénudé le, le discours du, du, des, des puissants sur le rapport à l'économie, ça c'est un, un grand acquis dont on ne mesure pas la puissance et qui va amener à mon avis à court terme à des chutes euh, en termes de pouvoir euh, extraordinaires. Ça c'est la première chose. La seconde, euh, la violence euh, dont sont capables les classes dominantes pour essayer de dresser les populations, la, la position du stigmate. La tentative d'humilier, d'écraser par, par, par le symbolique. Ça, ça me semble extraordinairement important. Troisièmement, euh, l'aspect la, euh, fondamentalement sain euh, de la critique du pouvoir. Si vous remarquez, sur les premiers mois de la crise, le premier confinement, il n'y a pas eu de discours euh, anti-étatique ou contre la. On a accepté, on a dit, euh, on, a, on, on a donné quelque part euh, notre confiance aux personnes qui nous gouvernaient, malgré tout ce qu'on avait subi. On leur a dit OK, on vous suit. Il n'y a pas eu. Il n'y a pas eu de discours qu'on appelle aujourd'hui complotiste. Il n'y a pas eu cette, cette, cette vague de, de remise en question de l'autorité de l'État. Sauf que lorsqu'on a découvert qu'on nous avait menti sur les masques, sur euh, les degrés réels de danger euh, auxquels on était exposé, ainsi de suite, évidemment, nécessairement, on a commencé à chercher, à chercher des réponses. Et on a cherché des réponses, on n'en a pas forcément encore tout trouvé, notamment sur la nature du virus, le rôle de Wuhan et compagnie, qui reste encore très contesté par les plus grands scientifiques avec des querelles. Extraordinaire. On n'a pas eu euh, les responsabilités politiques, c'est-à-dire les têtes qui devaient tomber de ceux qui nous ont mis dans cette situation. Bah la décision, ont pris, euh, il y a par ils exemple. ont tous été promus. J'aimerais bien vous faire réagir sur la décision de la Cour de cassation qui a annulé la mise en examen d'Agnès Buzyn. Ça vous a choqué ça bah, On, on l'avait annoncé non, dans cette émission. Vous eh souvenez ouais. Moi, je renvoie nos, 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 nos spectateurs à, à, cette à cette discussion émission. où j'avais expliqué comment s'était comment mis en place un mécanisme de construction d'impunité pour Madame Buzyn. Et, euh, ce n'est que la confirmation. Quand elle a été mise en examen, les gens, quelques personnes étaient venues me voir en me disant Ah, ben vous voyez quand même, la justice <laughs> fonctionne. Je dis Oui, oui, attendons voir. Évidemment qu'il y a un échange. Et c'est là où il y a un contrôle fin sur le système judiciaire. Beaucoup de magistrats qui nous entendent n'y sont pas confrontés directement, donc ils vont se dire Mais C'est un scandale qu'ils disent ça, qu'ils se permettent, etc. Mais c'est parce que justement, ils sont éloignés de ces dispositifs de pouvoir. Parce que probablement, eux essayent de faire de façon relativement intègre leur travail. Ils ne se rendent pas compte qu'à côté, il y a des. Des, 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 des mon camarades qui dit sont capables de. Est-ce que vous pensez qu'un jour, eh bien, euh, des personnes pourraient être condamnées euh, dans cette affaire euh, du Covid-19 Les la, la, la politiques notamment. La, la source de la révolution est toujours, à mon sens, historiquement double euh, les taxes et, et le système judiciaire. L'effondrement du système judiciaire et la pression fiscale, au sens large, euh, taxative, elle est ce qui enclenche des phénomènes révolutionnaires. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs pendant les Gilets jaunes. Et aujourd'hui, à la fois sur les défaillances fondamentales du système judiciaire et sur un taux d'imposition qui reste extraordinairement élevé en moyenne sur les Français pour des services publics qui ne sont plus existants, on est en fait à la croisée des chemins et à mon avis sur une bascule qui va balayer le système tel qu'il existe aujourd'hui. Vous n'avez pas peur d'une judiciarisation excessive de la vie publique parce que c'est aussi un, un sujet qui revient bah, la justice, quand elle est transformée en, en instrument de pouvoir, je pense qu'elle révèle une défaillance euh, du dit pouvoir. C'est-à-dire que dans ces circonstances-là, cela montre que les mécanismes d'autorégulation de la conflictualité ne fonctionnent plus. Or, le politique, c'est justement la gestion de la conflictualité. Quand vous êtes en politique, vous, au lieu de vous, vous tirer dessus, au lieu de vous battre en duel, par le mot, par euh, des mécanismes institutionnels, vous réussissez à, à résoudre des conflits. Donc lorsque vous en arrivez à l'utilisation de la justice pénale, c'est-à-dire de, de la contrainte, la possibilité d'envoyer quelqu'un en prison, de l'isoler socialement, lui apposer un stigmate, c'est qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne plus. Donc c'est un symptôme. C'est un symptôme qui pour moi est plutôt positif puisque je veux euh, l'effondrement de ce système et la création d'un espace beaucoup plus sain politiquement que celui euh, auquel nous, nous sommes confrontés aujourd'hui. Donc je suis assez, euh, assez satisfait de voir cette chose croître, même si euh, évidemment cette instrumentalisation me coûte aussi parce qu'on voit justement se multiplier les tentatives. Euh, euh, à mon égard également. et Sur l'Ukraine, par exemple, la guerre en Ukraine, vous trouveriez normal qu'on organise un référendum pour demander l'opinion des Français, par exemple. Là, je, mais quelle je, que je, soit la, for la forme, questionne le, le fait qu y ait que vous une, êtes une absence de délibération complète sur cette question. C'est un, un scandale extraordinaire. C'est-à-dire qu'on est prêt à demain peut-être, euh, on deviendra acteur de cette guerre, non pas seulement en ah, France. La France a pris euh, des positions euh, particulièrement courageuses à oui, mon mais sens. Au-delà de la en position vous allez que avoir, c'est euh, sidérant qu'on allait directement euh, sans doute vers une troisième guerre mondiale et qu'il fallait tout faire pour... Mais encore une fois, euh, ce qui est sidérant, c'est qu'on qu ne nous interroge pas. Si le peuple français euh, se voulait guerrier et voulait mener des expéditions euh, en Ukraine, en Russie euh, ou, ou ailleurs, même en, en Libye à l'époque, au Sahel, si euh, le peuple français veut devenir la nouvelle Sparte, pourquoi pas mais qu'il soit interrogé, qu que, que cela vienne d'une décision qui lui appartient, et non pas de ce sorte de choses un peu étranges où on élit quelqu'un sans qu'il y ait vraiment de délibération. Vous vous souvenez qu'Emmanuel Macron quand même n'a pas participé au débat de premier tour en 2022. C'est-à-dire qu'il se retrouve ensuite face à Marine Le Pen sur une pure position de pouvoir "Je suis la République, vous ne l'êtes pas, donc euh, euh, élisez-moi." Euh, donc on n'a pas, pas été consulté sur les orientations à avoir, non seulement économiques, mais justement diplomatiques politique ainsi de suite. Or, ça met en jeu notre survie pour le coup, en tant que peuple, mais aussi en tant qu'individu, parce que euh, la conscription, si elle doit intervenir, si on rentre dans un conflit euh, assez large, touchera tous les hommes jusqu'à 45 ans, transformera la société de façon massive, et ainsi de suite. Et donc, dans ces circonstances-là, euh, on, on en revient à cette question de poussière. Est-ce que la démocratie si, la démocratie existe Est-ce que le pouvoir appartient au peuple enfin, La réponse est très évidente. Que par, par Vous voulez faire tomber ces ce pouvoir Il euh, y a notamment ce débat à l'Assemblée nationale entre la NUPES et, et le RN qui, en aucun cas, enfin, en tout cas de la part de la NUPES, euh, ne, ne voudrait, euh, si tant est qu'ils euh, aient euh, euh, à vouloir euh, des voix, en tout cas euh, euh, du RN, euh, euh, dans un but de faire tomber ce gouvernement. Sandrine Rousseau, par exemple, a dit que. Que jamais, jamais, eh bien, euh, elle n'associerait, euh, elle ne pourrait envisager que les voix de la NUPES soient associées à un mouvement qualifié, selon elle, de fasciste, et elle parlait du Rassemblement National. Vous considérez, alors, deux questions. Euh, le RN, c'est un mouvement fasciste, comme l'indique Sandrine Rousseau, c'est la première question. Et deuxième question, est-ce que sur des questions euh, fondamentales, comme celle de la réforme des retraites, est-ce que euh, la NUPES se trompe en disant euh, de telles euh, choses ah, Moi, je donnerai trois réponses. Euh... Le Rassemblement national a été un mouvement fascisant, euh, de façon assumée, hein, les proximités de Jean-Marie Le Pen avec... Euh, avec euh, en fait, le, le, le Rassemblement national s'était fondé sur... Euh, c'est peut-être là où il y a un problème de, de dialectique, c'est-à-dire c'était plus fondé sur la, le nœud de l'électorat du Front National et du, de la proposition politique du, du Rassemblement national, c'était la guerre d'Algérie. C'est le, le traumatisme de la guerre d'Algérie et une position politique qui, qui était aux antipodes de celle qui avait été adoptée par la Ve République. Donc c'est en ça que le Rassemblement national est devenu... A construit sa position de, de parti anti-système. Anti-système, pourquoi Parce que anti-Cinquième République, fondamentalement, parce que pro-Algérie française et ainsi de suite. Il y avait une continuité relative entre une partie euh, euh, de, des forces favorables à Vichy et celle qui était favorable à, à l'Algérie française. Elle était plus ou moins forte, avec des incointances, notamment avec d'anciens collaborationnistes, etc. Mais c'était déjà secondaire par rapport à ce nœud central. Et aujourd'hui, on est sur un ressac de ces éléments qui ne sont plus du tout aussi structurants à l'échelle de la société qu'ils l'étaient pendant, pendant ces décennies. Et donc, on a le Rassemblement national qui adopte une posi position d'institutionnalité. C'est Marine Le Pen qui, au moment des Gilets jaunes, euh, se voit offrir le 20h de TF1 et a un regard caméra où elle, dit, où elle appelle au calme au, au peuple français. Tout en donnant des gages sur toute une série de questions dans l'antisémitisme, cest à et, et sur l'Union européenne, sur soit soit l'appartenance à l'Union européenne. Donc, on a, on a en fait un parti qui aujourd'hui veut prendre la place de la droite euh, classique du gouvernement. Donc, euh, ça, c'est le premier point. Euh, moi, je pense qu'il y a un effet de concurrence avec la NUPES euh, qui fait qu'on a intérêt d'un côté ou de l'autre à s'envoyer des, des noms d'oiseaux pour. Bah parce se, que si, si la NUPES, le RN sur, et une partie des Républicains le... un... considèrent... décidaient de s'unir, ils peuvent faire tomber oui, le mais gouvernement. C'est acquis entre ces deux. Ces deux forces politiques se considèrent comme l'avenir institutionnel de la France. C'est à qui des deux va réussir à récupérer le pouvoir après Macron. On a bien compris que ce ne serait pas les, les républicains. Enfin, en tout cas, c'est mal parti pour eux. Ce ne serait pas. Ben, ce euh, sera peut-être Édouard Philippe. D'ailleurs, j'ai découvert cette semaine euh, sur Twitter euh, au hasard euh, euh, justement d'un tweet euh, que vous aviez euh, fait un débat avec Michel Onfray sur. Euh, Edouard Philippe, et d'ailleurs, qui m'avait beaucoup... Euh, enfin, cette petite séquence m'a marqué. Vous n'avez pas manqué d'être critique à l'égard d'Edouard Philippe. Vous pensez qu'il pourrait succéder à Emmanuel Macron, Édouard Philippe bah Écoutez, il s'organise pour en ce moment. Ça aussi, j'ai des informations qui montrent qu'il cherche à recruter, à organiser une équipe pour... Euh, mais c'est des gens qui... Sur Vous avez des informations euh, là-dessus Ah oui, c'est en cours, c'est en cours. Il y, a, il y a une vraie structuration en cours aujourd'hui, avec euh, vraiment la, la tentative de constitution d'une euh, équipe pour les, pour les élections présidentielles. Mais, mais voyez-moi ces jeux partisans, je reviens à cette question de. Que non, mais donc ce sur, macronisme euh, finalement il, il va pouvoir euh, sous un autre voilà, visage euh, se prolonger. Philippe était, était plus, plus dur que Macron. Hein. Enfin, c'est lui qui était à l'origine d'ailleurs de, de, du raidissement initial. De... Euh, Emmanuel Macron c'est un, un bourgeois de province euh, dix, tel que Zola et Balzac les décrivaient dans leur roman du 19ème. Quoi. Vraiment quelqu'un qui a une sorte de mépris naturel pour, pour la populace, qui du coup n'arrête pas de le faire ressortir et en fait ça braque. Mais fondamentalement. C'est comme le bon roi à l'époque où, où la royauté était déliquescente dans notre pays. C'est quelqu'un qui est juste complètement déconnecté, qui est très satisfait de lui-même, très fat, et qui a une indifférence assez marquée pour, pour les autres. Édouard Philippe, c'est quelqu'un qui est idéologiquement euh, dur. C'est-à-dire quelqu'un qui est vraiment pour euh, la défense des intérêts, d'un certain nombre d'intérêts euh, du petit Paris et de la classe dominante, avec euh, ce rapport à la privatisation, ce rapport. Vous voyez, et donc en fait, leur combinaison parfaite, entre guillemets, a provoqué là, la, la catastrophe du vous premier disiez, quinquennat. lors de cet entretien avec Michel Onfray, il avait été directeur du lobbying d'Areva, c'est ça oui, oui, au moment de du scandale de l'affaire Uramine, avec les 15 millions qui étaient partis chez Balkany et surtout les 4 milliards d'euros qui ont disparu euh, des poches des Françaises, ce qui a provoqué la catastrophe d'EDF, qui nous a amené aujourd'hui à la panique qu'on a connue des années plus tard du fait du sous-investissement euh, sous que ça a provoqué, notamment dans, dans les infrastructures électriques. Donc on est sur une situation où on a des gens qui ont participé au pillage de ce pays, euh, en partie aveuglement et en partie par intérêt. Et qui aujourd'hui essaie de perpétuer ce système, très bien. Et on a de l'autre côté ces forces partisanes que, euh, au sein de l'Assemblée, qui euh, nolens volens, en fait, essaient tout simplement de de mettre en scène leur capacité à s'opposer et qui donc vont créer des conflictualités, des pinaillages. Mais cette motion référendaire, on s'en fiche complètement. En fait, c'est de la poudre de perlimpinpin, comme 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 le dirait l'autre, parce que tout simplement, euh, il faudrait qu'elle soit adoptée par le Sénat également et qu'ensuite le président décide euh, de l'adopter. Donc on sait très bien que ça. Donc, c'est juste en fait, c'est des effets d'affichage. C'est pour ça que j'allais vous dire quelque part, il faut comprendre pourquoi est-ce qu'il y a ce jeu dialectique entre les deux. C'est à qui il va incarner, mais c'est des purs effets d'incarnation et pas de lutte réelle et pas de capacité réelle. C'est le problème pour moi, à la limite de la c'est... Euh, que vous vous situez où aujourd'hui On a un peu du mal, pardon. Et moi, euh, j'étais... Juan Banco, euh, vous étiez de gauche. Euh, on a l'impression que vous, avec les, les critiques que vous émettez non, sur Ruffin, ne peut pas penser que vous soyez bah, je suis, en je suis pas, je avec suis pas la pour Nupes une gauche, ou avec non, la LFI. Non, si, si, si. je ne suis, suis pas pour une gauche de la supplique, vous voyez C'est quelque chose qui me, qui me semble assez détestable. Jean-Luc euh, Mélenchon. Euh, moi, avez... Jean-Luc Mélenchon, j'ai été son avocat. Il a ses limites, il a, il a, il a ses limites. Et Tiens, parlez-moi de lui il à parce que vous l'avez connu de près. Moi, c'est quelqu'un qui... Moi, j'admire les gens. Euh, Jean-Luc Mélenchon, c'est quelqu'un qui a bénéficié de mille façons du système, qui a été élu très jeune sénateur, qui est a... ministre, mais, euh, voilà, vraiment, ministre euh, très institutionnel. Voilà. Et qui, encore aujourd'hui, a une fascination qui me semble déplacée pour, pour Mitterrand et ainsi de suite. Il a des positionnements idéologiques avec lesquels je suis souvent en contradiction sur un certain nombre de sujets, mais il a cette valeur extraordinaire et que je respecte. C'est quelqu'un qui n'a jamais cessé de travailler. Et c'est pour ça en fait que ça marchait si bien à chaque élection présidentielle, avec les limites euh, du personnage, idéologique euh, et compagnie. C'est qu'en en fait, il a une capacité à, à se réinventer. C'est marrant ce celui qui n'a jamais euh... travaillé, qui s'oppose autant à cette réforme de la retraite. Oui, mais, non, mais il n'a jamais travaillé, c'est-à-dire qu'en fait, il avait tout le confort pour. Mais justement, ce, de ce privilège, il a tenté de faire quelque chose. Vous voyez, Et ça, c'est une différence fondamentale avec euh, les petits suffisants là qu'on a pour ministre, qui sont en fait des gens qui sont. Installés, qui ont une indifférence complète à la chose intellectuelle, à la parole. On peut avoir toutes les divergences du monde avec Jean-Luc Mélenchon. On respecte son rapport, à mon sens, à la parole, au langage. Vous voyez, cette forme de. cette capacité. Ah bah à... d'ailleurs, comme Jean-Marie Le Pen, une éloquence, au euh, moins beaucoup de gens ont reconnu donc, euh, donc cette chose -là, que les deux plus grands tribuns des, voilà, des 15-20 dernières surnage, années, c'était Mélenchon et Le Pen. Quoi. Il surnage, il surnage, et, 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 et en plus, il fait un travail de réinvention idéologique régulier. Alors parfois on est d'accord, parfois on n'est pas d'accord. Et cette force-là me semble à 1000 kilomètres. Des personnes qui aujourd'hui cherchent à prendre sa place. Donc, vous voyez, moi, moi quand je vois des gens comme ceux qu'on qu a cités, j'ai presque une forme, j j en, j en, je n'en ai jamais en vrai, mais je pourrais avoir une forme de mépris pour eux en disant Vous n'êtes pas à la hauteur de ce que vous tentez de faire. Vous essayez de déboulonner la statue du commandeur montez un peu en niveau, montez en gamme et montrez-vous à la hauteur de ce, de ce rapport au verbe, de ce rapport à la parole. Et après, on pourra discuter idéologiquement des orientations, des questions stratégiques et tactiques, et ainsi de suite. Où est-ce que je suis idéologiquement désintéressé finalement Enfin, j'analyse et on en parle parce que vous me parlez de ces questions artisanales. Non, je, suis... <laughs> je vais vous dire quelque chose qui me fera peut-être rire. Je, je crois fondamentalement, d'un point de vue non romantique, mais presque technique, à la nécessité révolutionnaire aujourd'hui. J'ai été... Euh, j'ai été avec le peuple français au moment des Gilets jaunes. J'étais à leur côté, je me suis engagé à leur côté. Au début, on regardait ça avec un, un peu de suspicion, on se demandait, mais est-ce que c'est sincère et pas Aujourd'hui encore, je suis en train de défendre Christophe Détinger sur sa cagnotte, trois ans après. On continue à se battre avec des gens qui sont en difficulté et on et ne et les lâche pas. Et, et je les accueille, j'en suis très heureux comme ça parce que ça me permet de rendre utile cette, 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 cette habitude du pouvoir que j'ai eue dans mes plus jeunes années. Et, et ma fonction aujourd'hui, elle est celle-là, et d'essayer d'apporter au maximum, en toute transparence et avec honnêteté, sans participer à des jeux de pouvoir, d'offuscation, de masques, etc., d'apporter à ceux qui nous écoutent des clés qui vont leur permettre de se ressouverainiser, de comprendre le fonctionnement de l'existant et, et de devenir des acteurs politiques, en fait. Je parle des citoyens, hein, je parle vraiment de la capacité à rendre du pouvoir à... À ces individus. Et pour refaire le lien avec la séquence euh, Covid-19, euh, qui nous renvoie aussi à cette question, euh, justement, euh, vous le disiez, euh, euh, de ce peuple français, euh, comment vous expliquez euh, cette apathie face à toutes ces mesures qui ont été prises Là encore, euh, ça rejoint la question de tout à l'heure, c'est la peur Mais je vous promets qu'il n'y a, qu a pas d'apathie. Je suis submergé de demandes de gens qui sont poursuivis, voire pour certains persécutés au quotidien à cause de leur action de résistance dans, dans ce Les pays. C'est suspendus qu'elles sont médiatiquement invisibilisés. Oui, la, la, bah, ils sont des, pas pompiers. Personnes, des pompiers. Personne. Finalement, Guadeloupe je défends des pompiers qui ont été, euh, qui en fait, qui ont un contrôle judiciaire qui leur interdit d'être pompiers parce qu'ils ont participé à des barrages euh, pendant les révoltes euh, de fin 2021. Ça fait plus d'un an. Je veux dire, on est sur une situation. et c'est sur les soignants suspendus. Finalement, tout le oui, monde c'est la, enfin, la même Mais situation. personne finalement descend dans la rue pour les soutenir. C est, c est des... Mais parce que. Lorsqu'on se mobilisait pour Assange, lorsque c'était mon dossier principal, on avait réussi à fréter des bus de gilets jaunes qui allaient le voir euh, à Londres. Et je me souviens très bien d'un ami qui m'a, j'ai déjà raconté cette anecdote, qui m'a dit, mais j'ai fait une crise d'angoisse énorme en fait, parce que je me suis rendu compte d'à quel point je n'avais aucun pouvoir. On s'est retrouvé à 200 face au tribunal, entouré de policiers, et on, on se sentait seul au monde. Et, et euh, et je trouve que c'est une expérience qui est un, intéressante et importante d'avoir pour se rendre compte en fait, de l'impuissance que l'on a en, fait, en tant que citoyen. On nous fait croire par des dispositifs de massification, mais fondamentalement, soit on s'inscrit dans un courant déjà existant, soit on a un pouvoir qui est strictement marginal, et d'autre part pour comprendre que, à quel point des moments de coagulation des luttes comme ceux des Gilets jaunes sont précieux. Parce que tout d'un coup, en fait, ils reconstituent des fronts qui jusqu'ici étaient épars, de souffrances qui étaient séparées, et ils permettent de, de rompre ces rapports de solitude et de, 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 de créer une force qui va tout, euh, qui, qui, qui va tout basculer. Et, euh, et moi, je crois en la nécessité de se préparer à cette prochaine bascule. C'est-à-dire, la prochaine fois qu'il y aura un mouvement de cet ordre-là social, il faut qu'on soit capable de provoquer cette bascule, et c'est le sens du, de ce texte qui sort en fin mars, c'est-à-dire des outils pratiques pour. Euh, pour produire cette révolution et, et, et c'est un, un risque très important que je prends en, en le faisant mais 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 qui me semble être nécessaire parce que encore une fois quand on s'est retrouvé à 100 mètres de l'Elysée, bah on l'a pas fait allez parce que leur faire peur ou en tout cas leur donner envie de vous surveiller de près quoi oui mais ça c'est déjà c'est déjà le cas et euh, et, euh, et pour euh, j'ai beaucoup lu euh, la littérature révolutionnaire de tous bords euh, ces dernières années de Malaparte sur les techniques de coup d'État à, à celle des bolcheviks par exemple pour comprendre en termes de moyens, vous voyez ce qui était nécessaire de mobiliser ou pas. Et Victor Serge a cette parole extraordinaire qui dit, écoutez, des euh, hommes tombent, mais l'idée reste. C'est important, enfin, important en termes de transmission d'expérience, mais dès le moment que j'ai eu l'opportunité de, de transmettre ce savoir, ce, ces connaissances que j'ai pu avoir, cette, cette forme d'intelligence que j'ai pu mettre en œuvre, à d'autres de, de prendre le relais. Pas, faut, faut, si on croit en ce qu'on fait... On est très heureux d'avoir. Moi, j'ai ce privilège extraordinaire en vous parlant, en parlant à d'autres personnes, de pouvoir m'adresser à, à beaucoup Et j'ai toujours eu conscience d'à quel point c'était un privilège et il fallait le mériter. Vous voyez à quel point il ne fallait pas en jouer, il ne fallait pas l'instrumentaliser. Et, 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 et pour moi, ça me suffit d'avoir eu cette chance. Jusqu'à jusqu quel moment elle perdurera, on verra. Mais, mais l'important, c'est d'avoir pu, à un moment donné. C est, c est vraiment, a, vous avez déjà eu peur ça pour crée votre une vie, de par exemple Allons jusque là ah, très, très 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 ponctuellement. Enfin, la peur la, même la peur en général. Attendez ça en je une deux fois mais euh, non non c'est arrivé euh, plutôt quand j'ai dénoncé euh, euh, l'implication de Xavier Niel dans, dans une affaire euh, qu'il connaît puisqu'il a liké euh, les posts que j'ai faits euh, sur ce sujet parce qu'il y avait eu plusieurs milliers de euh, de partages et que j'étais sur quoi malgré l'omerta une femme Claudia Tavares euh, qui a écrit un livre donc j'invite tout le monde à lire et ils comprendront sur euh, l'époque du métal rose et, euh, et euh, l'exploitation euh, de femmes euh, qui étaient en difficulté, qui étaient des prostituées ainsi de suite, et la façon dont, dont ils se comportaient avec eux. Et donc il y a eu à ce moment et à quelques autres témoins où j'ai compris que je touchais à des points où... Euh, là, vous savez que vous prenez le risque d'être attaqué à tout en diffamation Non, non là, ce n'est pas en diffamation, là, c'est euh, beaucoup plus sérieux. Évidemment qu'ils ne prendraient pas le risque pour procès en diffamation sur ces sujets. — Évidemment. Et, et, et donc... — Est-ce euh, que vous estimez avoir des preuves de ce que vous avancez ?— Je n'estime pas. Je les ai. Et donc à partir de là, on a, on a, on a une situation où, euh, où, où la survie d'une position sociale euh, gagnée à coup de bien des sacrifices et des violences euh, est, est, est en jeu. Et, et dans ces circonstances-là, ces gens sont prêts à tout. Et donc il y, y a eu des situations comme ça, où en effet, on, on comprend qu'on est dans une zone où, où, où tout peut arriver. Et... Euh, et là, vous avez eu peur. Donc c était, c était et, et donc, à, à, à deux à deux reprises, à raison d'ailleurs, parce que des choses sont concrétisées euh, quasiment dans la foulée. Il euh, y a eu des <laughs> une histoire que je raconte quand même, qui est, qui est tellement irréelle, mais d'une femme qui me sûre à 2h du matin dans mon lit qu'elle qu a été envoyée. Enfin, c'est des choses où là, j'ai pas peur, mais où, en fait, c'est tellement sidérant que vous avez pas peur. Enfin, vous dites, mais, euh, vous essayez un peu de, de réajuster par rapport à. Mais quand il y a des gens qui tournent autour de chez vous et qui vous font savoir et que c'est pas vous qui avez peur, mais la personne avec qui vous êtes. Qui commence à paniquer et compagnie, vous comprenez que que, que les enjeux, euh, les enjeux qu'elle vous êtes confrontés sont sont sérieux. Après, il moi, j'ai toujours trouvé appui en cette parole de, de quelqu'un de très grand qui s'appelle euh, Malcolm X auquel je ne compare évidemment pas du tout, hein, mais euh, qui euh, en réponse à cette question sur la peur disait mais euh, je suis déjà un homme mort. Pourquoi j'aurais peur et, euh, et je pense que je voilà, chacun à son échelle, on devrait euh, on devrait trouver ce socle qui nous permet de de ne pas trembler face aux tentatives d'intimidation et de dévastation auxquelles on est confronté. On va demander qu'on arrive au terme de cette émission. On va terminer par une petite séquence nouvelle, euh, d'ailleurs que vous allez euh, inaugurer par rapport à la dernière fois où vous étiez euh, venu, en tout cas avec vous. Euh, C'est un questionnaire d'incorrectibilité, comme on pourrait l'appeler. Euh, je vais vous demander de répondre assez brièvement, si vous pouvez, à ces petites questions. Elles sont toutes simples, n'ayez hein, pas peur. Euh, tout d'abord, un mot pour vous décrire. Euh, naïf, je pense. Ah, je crois que c'était moins ça. Ok, votre <laughs> modèle. Si. Euh, bah des gens comme. Ah euh... ouais. Alors je... Non mais vous pouvez décrire ouais, un peu. Enfin. Des gens comme Malcolm X, enfin euh, ah ouais des, des gens qui ont, qui, ont, qui ont mis en jeu leur vie pour, pour la lutte, quelle que soit. Je reçois euh, prochainement Kémy euh, mis ses bas, Je crois là, que vous étiez. Euh... Bah je suis son, vous son êtes avocat. Son avocat. Euh, oui oui. En tout cas, je représente euh, sur un certain nombre d'affaires et. Euh, et euh, ah, on est à l'opposé on... de votre univers, hein, pardon, mais... Bah, c'est des gens, de... des gens qui, qui se mettent en jeu, en fait, et ça, je le respecte, quel, quel que bon, soit... d'ailleurs on en arrive à être de Camille bas euh, euh, Peut-être qu'il vous le racontera, euh, ouais. posez-lui la question, euh, je ne veux pas trahir... Euh, D'accord. Lui peut le faire, mais moi, je... Moi je mais, mais, euh, mais je pense que c'est des effets de... Ce serait intéressant que vous lui posiez la question. Qu'est-ce qui l'a amené à, 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 vous choisir. À, à me choisir ouais. bah, Je lui demanderai. Euh, et vous avez un message à lui poser, c'est ça C'est pourquoi tu m'as choisi euh, euh, Oui, ouais, ça, ça, ça serait intéressant. Ouais. Et ben, je le lui poserai. Votre personnage historique favori oh, C'est traître comme question. C'est traître parce que, en fait, j'ai compris comment se construisaient les figures. Vous voyez, l'artifice la, la, de, de la reconstruction d'une image. De... Mais donc, les fables qui les entourent, la difficulté à, 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 à déceler le vrai du faux, les intentions réelles, et compagnie. Il y a beaucoup de personnes auxquelles je m'intéresse profondément. Euh, je vais prendre deux exemples complètement opposés, euh, donc auxquels je m'intéresse, hein, pas je m'identifie. Il y en a un qui est Gilles Doré, qui est un, 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 le plus grand criminel de son temps, comme on l'a décrit. Un, un homme qui, euh, qui est accusé d'avoir tué 140 enfants après les avoir violés, etc. Complètement atroce, qui était un euh, maréchal de France, un compagnon de Jeanne d'Arc. Euh, pendant, euh, sous Charles VII, et qui, euh, tout d'un coup, euh, est devenu un monstre. Et alors, il euh, y a un grand débat historiographique pour savoir s'il avait vraiment... et qui a été euh, brûlé, alors que c'est un grand seigneur et compagnie. Un grand débat de savoir si c'est vrai ou pas. C'est-à-dire, est-ce qu'en fait, c'était un règlement de compte politique, et on a essayé de, de l'éliminer comme ça Ou est-ce qu'en effet, c'était Barbe Bleue avant l'heure, parce que c'est le personnage qui a inspiré Barbe Bleue Ça, ça me fascine, parce que cinq siècles après, il est difficile d'avoir une réponse. Et là, on se dit, toute l'assurance qu'on peut avoir sur leur réalité, sur les représentations et compagnie, ça, ça trouble quand même quand on commence à se rendre compte qu'en fait, même des choses qui au, au départ pouvaient paraître évidentes le sont beaucoup moins et que peut-être qu'il y a eu des enjeux politiques qui, qui avaient derrière cette affaire. Et les... de l'autre, par contre, pardon, je m'intéresse beaucoup évidemment à la France libre en général, donc évidemment à la construction de, de la résistance et, et des figures de l'époque. Des communistes comme Colonel Fabien. C'est quand même incroyable, on a une place du Colonel Fabien, mais on, on oublie euh, qui était euh, euh, le dit Fabien, qui était un gamin de 16 ans, je pense, qui a, qui a, qui a tué à bout portant un, un, un officier euh, SS dans le métro, ce qui à l'époque avait fait scandale, y compris, y compris dans le milieu de la résistance. Mais ce qui a amené en fait la résistance à devenir un mouvement, un mouvement de lutte réel, où euh, évidemment le général de Gaulle est, est ce qui l'a amené à, être, à devenir ce qu'il était. Je confesse que vous me l'apprenez. L'événement politique qui vous a le plus marqué au cours de votre vie L'événement Bon, là, je pense que ça va peut-être être les Gilets jaunes. Euh, 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 en tant qu'acteur, oui. En tant qu'acteur, très, euh, très clairement, les Gilets jaunes, mais aussi ma, ma rencontre avec Jeanne Assange, enfin, qui n'est pas un événement, évidemment, mais enfin, qui est un, un événement intime, enfin, ça, qui m'a complètement changé, ça, c'est une évidence. La date la plus importante pour vous de l'histoire de France en enfin, hein, ouais, j'aimerais vous français. dire celle qui, celle qui, celle qui vient, mais, euh, mais euh, pour, pour 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 toutes les raisons, enfin, enfin c'est une banalité, enfin évidemment 1789. Le plus grand livre français pour vous ah, ah, ça c'est une très belle question. Moi, j'hésite entre, c'est des... c'est encore une fois peut-être des lieux communs, mais entre Les Misérables et, ah. euh, et Voyage au bout de la nuit de, de Céline. Céline, euh, ouais, c'est, ah. euh, je pense que c'est euh... Il y a deux pôles, là, vous voyez. D'un côté, le français populaire euh, de Céline, cette, cette rage, cette radicalité extraordinaire. Et de l'autre, la puissance merveilleuse lyrique euh, de Hugo et l'aspect social de gauche. Enfin, vous voyez, on, a, on a deux idéologies de, de confluence qui, euh, qui, euh, qui, qui, qui semblent opposées, mais qui ont nourri la France de façon diverse. Ce qui ne veut évidemment pas dire que, que je considère Céline euh, pour ses, ses idées, au contraire. Mais, euh, mais en tant qu'écrivain qu et qu'auteur, c'est quelque chose qui. Qui est extraordinaire et qui, à mon avis, ne sera jamais répétée. La source d'information euh, préférée de Juan Branco, votre média préféré Je lis vous... tout, tout le temps. Alors, ça, c'est euh, obsessionnel. Y compris les plus, médias euh, qui vous sont euh, à, à commencer par, opposés. Je, à commencer par ces médias, bien sûr. Je, je m'informe. Mais de la même façon que quand j'étais juste euh, un garnement de gauche institutionnel, je disais, je disais le Figaro en permanence. Enfin, c'est essentiel. C'est essentiel de, de se nourrir à, à l'ennemi, comme on dit. Et, euh, quand je suis tombé amoureux d'une femme du Figaro, bon, bah, j'ai commencé à. Mais au départ. À euh, ne ah, plus en dire du mal. <laughs> ouais, mais mais euh, le, le, le monde diplomatique, ça reste euh, très intéressant pour mille raisons, même si vous n'êtes pas d'accord idéologiquement avec ce qu'ils font, je pense que c'est très important de. Parce que c'est l'exemple pour moi d'une un, rédaction tenue, vous voyez, fin, de gens qui sont exigeants, qui ont un, une ligne idéologique très claire, mais qui, dans cette ligne, euh, ont un effort, euh, font un effort sur eux-mêmes extraordinaire pour, euh, pour penser et pour réfléchir. Eh bien, ce sera le mot de la fin. En tout cas, merci beaucoup, Randa pour ces presque deux heures d'entretien. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. En tout cas, vous nous tiendrez au courant pour la sortie de ce euh, nouveau livre. Ça hein. ben, sera, ben, je donc, pense que vous allez, vous allez, mars. vous allez être au courant euh, sans, sans que j'ai besoin de vous en parler à mon sens. Bon, en tout cas, merci beaucoup de nous avoir suivis jusqu'à maintenant. En tout cas, j'ai constaté qu'il n'y a jamais eu autant de bruit que lorsque <laughs> on enregistre avec vous. Comme quoi, c'était le, le complot des chantiers. Signe. Merci beaucoup à vous tous de nous avoir suivi aussi longuement on se retrouve bien sûr pour un nouveau numéro des incorrectibles la semaine prochaine et d'ici là je ne cesse de le répéter chaque semaine d'ailleurs surtout restez incorrectibles bye bye